station, 699. Yeah. Welcome back, y'all, on the radio station, 699. Yeah, we can't see. On va parler de toi. Ouais, comment ça, on va parler d'elle? De toute façon, je vais sur TikTok. Bah, je sais pas, tu vas me parler d'elle. Il embrouille. Pourquoi tu veux que je parle d'elle? Vas-y, tchuss. Bon patientage. Bon. Yo l'équipe, yo tout le monde, yo. Oh, wesh là, l'équipe. Oh là là, quelle bande de gros BG. Est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Je veux un maximum de. Mettez votre note sur la journée d'aujourd'hui, les gars. Ça fait plaisir, tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à mettre directement le pouce bleu. Ça fait plaisir. Mon petit biche, aujourd'hui, on a tous les deux fait des tests de cœur, frérot. C'est vrai? Ah, j'avoue! Frérot, j'ai vu mon cœur dans un truc. T'as fait ton test d'effort? Ouais. Et ça a donné quoi? Il t'a dit quoi, moi, le mec? Moi, je suis bien, en vrai. Est-ce que. Parce que t'es passé après moi, ouais. Avec le même mec. Ouais. Et est-ce qu'il t'a dit un truc? Genre en mode t'es meilleur que moi ou quoi? Non, il m'a dit faut que tu fasses mieux que Michou. Mais je sais même pas si j'ai fait mieux que toi. Ah merde, si t'as rien dit, c'est que t'as fait pire. Ouais, je pense. Après, c'était sur un vélo, t'as fait Paris-Roubaix. Ouais, y'a moyen, tu m'as bien niqué. Non, je pense pas. Ah parce ouais que j'ai des courbatures de baiser, hier je suis allé à la muscu. Ah t'as fait les jambes? J'ai fait les jambes du coup, il m'a fait bien souffrir. Ok, j'avoue. Yo tout le monde, yo, c'était Nila. Non c'était chaud. Et surtout, en fait je sais que je suis en bonne santé, mais j'y vais quand même. Mais oui, ça sert à rien. Ça vrai, sert à rien. Mais en vrai si quand même. En vrai je genre, pense qu'il faut en faire de temps en temps. Échographie j'avais jamais fait. Ouais, moi aussi. T'as vu, si ça se trouve il m'aurait découvert un truc que je savais pas, tu vois. Ouais, c'est important quand même. Ouais, c'est quand même important. C'est la santé, c'est la santé. Les gars, dans la vie tu peux être riche, tu peux avoir une meuf, tu peux avoir ce que tu veux. Mais si t'as pas la santé, c'est vrai. T'es nada. Voilà, c'est comme t'as le million. Bah t'es pas nada. À quoi mais... sert le million si tu prends perpète? T'es à pas nada. À quoi sert d'avoir un million si t'as pas de santé? Bah c'est réel. Ouais. La santé c'est le plus important. Non les gars, la santé c'est le plus important. Santé à tous, les gars.
Voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Mais pas des pieds, hein. Du coup, 60 secondes. Alors, 60 secondes. Ok, gros, aujourd'hui on le finit. Aujourd'hui on le termine. On le termine. Alors, attends, non, alors, non, je te parle pas de ce soir avec Elsa. Parce que il me regarde. Ouais, 60 secondes. Non, là je te parle du jeu. Je te parle pas des. Eh, on parle du jeu parce que je le vois, il était content. Comment tu sais 60 secondes gros, j'ai les contacts. T'as les contacts ou tu as pas les contacts? Gros, c'est. Non, là les gars, on parle du jeu 60 secondes, les gars. On parle pas de la performance de Michou et Elsa. Enfin, de Michou. Non, en vrai de vrai, moi, frérot, moi je te dis, la première fois que j'étais avec une meuf, ça. Gros, qu'elle m'a touché, ça a duré pas plus de 60 secondes. Ah ouais, qu'Andrea, ça a duré combien de temps? Ah non, pas, moi je parle pas de ton frère. Ah, ok, ok. Mais ça a pas pu durer plus de 60 secondes. Donc vous inquiétez pas, les gars, on est ensemble. Merci, fan, pour ta donnée. Grosse dédicace, mon frérot, t'es un crack. T'es un génie, je t'aime. Des gros cœurs sur toi, merci, Berkane. Non, non. En fait, moi, je marche au round. Une dizaine de Moi, c'est des rounds. Une dizaine de secondes et 5 rounds. Frérot, ouais, voilà, c'est des rounds. En vrai, les premiers, c'est pour débrayer. Le premier round, c'est le débrayage. Une fois que le premier est passé, tu peux passer aux hostilités. C'est un peu les vitesses. Voilà, tu passes les vitesses. Okay, okay. Première vitesse, bon, bah, elle va vite, quoi. Normalement elle va pas vite, mais bref, les gars, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, aujourd'hui, merci déjà à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup, Mancier. Est-ce que vous êtes heureux dans le chat? Est-ce que vous êtes prêts pour celui-là? En tout cas, j'espère, moi je suis heureux. J'ai la trick, sa mère, et ouais, j'ai chaud pour jouer. J'ai bien vu, j'ai bien. Et on lance ça, mon ref. Moi je suis chaud. Je suis chaud. Non, mais j'ai entendu que ça s'embrouille avec Elsa. Tu peux nous expliquer Bah, en fait, c'est un peu toi qui a créé l'embrouille. Moi, je comprends pas. Je suis dans mon studio tranquille. Toi, tu parles avec Elsa. Déjà, ça me fait plaisir, déjà, dans un premier temps. Parce qu'en vrai, vous voyez pas souvent. Ouais, non, moi j'aime bien. Et moi, je suis content que vous parlez tous les deux. Voilà. Et là, c'est pas Elsa, elle est en mode ah, Inox, hier, tu m'as dit je t'aime. Non, j'ai jamais dit je t'aime. C'est elle, je crois, elle entend. Et là, Inox, non, mais que j'ai jamais dit ça. Elsa, elle est en mode ah bon, t'as jamais dit ça. Un peu déçu. Non, frérot, moi un je te le dis dès maintenant. Et après, t'es en mode ah, mais t'inquiète et tout. Non, non, y a rien de bizarre. Et là, Elsa, elle se réjouit en mode ah ouais. Non, je pense, elle veut te tester. Elle veut voir un peu si t'es jaloux, je pense. Ouais, ouais. Non, t'inquiète, c'est un truc de fille. Frérot, t'es un ouf. Moi, je regarde pas les autres filles, frérot. Je regarde pas de filles. Frérot, t'as, non, là, t'as tu une. Là, non, je regarde pas de filles. Frérot, t'es avec ta meuf, je regarde pas. Ah oui, j'entends. Okay, mais je regarde pas. Okay, je loue, je regarde mon nez. Mais quand je parle à ta meuf, je regarde mon nez. Ok, peut-être. Non, mais. Par contre, je te dis pas que tu regardes pas les autres filles. Non. Non, par contre, ta meuf, je loue. Je mets 1000 balles, on va sur TikTok maintenant, il y a une meuf. Non, non, non. Bon, vas-y, attends, regarde. Frérot, il y a pas de meuf. Il y avait une meuf pas mal en ce moment que j'ai nommé pour toi, mais je sais pas si elle va tomber. La première frère. Bon, bah, en tout cas, ta meuf, je louche. Ça veut dire quand je lui parle, je fais salut Elsa, je regarde mon nez. Comme ça, au moins, y'a pas de tromperie. Y'a rien, y a aucune dinguerie. C'est-à-dire, je regarde pas. Tu veux la regarder dans les yeux ou quoi? Non, mais on sait jamais, frère. Je veux pas que t'imagines des trucs. Donc, moi, okay, les meufs de mes potes, je louche. Je regarde mon nez et après, je dis bonjour. Bref. Merci beaucoup, Florian. Super coutume comme ça, les deux fous. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Si, merci Florian. Gaëtan. Merci Stélina. Merci beaucoup. Merci pour ton sub. En tout cas, sache que. Je n'ai rien contre Elsa, j'ai vu des TikTok comme quoi. Y a rien contre oui, Elsa. Oui, c'est vrai. Ouais, non, j'ai vu des TikTok. Ça, non, mais... Inox, c'est ton embrouille, non. Ouais. On va clarifier la situation. Y a pas d'embrouille Inox Elsa. Et même, je pense qu'on n'est pas en embrouille. Non, y a pas d'embrouille. Même parce toi, y a pas d'embrouille. Parce que frère, j'en ai marre de voir 100 000 TikTok. Non, y a trop de TikTok, non, ouais. Mais Michou, depuis qu'il est avec Elsa, il s'en fout de ses potes. Non, ils s'en foutent pas. Il passe du temps avec sa meuf. C'est normal. Voilà, laissez-le profiter. Bah, ouais. Voilà, moi je suis tout seul, c'est pas grave. Je rigole. J'enfonce le couteau, cher fils de. Non, je rigole. En vrai, la tête de Mom, c'est bien. En vrai, je suis content pour lui, frérot. En vrai, moi, je suis content. On se voit mais pas. Mais non, on se voit pareil. Moins qu'avant. On se voit pareil. Non, le fait qu'on se voyait moins, c'était à cause de Danse avec les Stars. Oui. Mais sinon, on se oui, voit comme avant. Danse avec les Stars, là, j'avoue, on se voyait, on s'est à peine vu. Merci, mon fils Nolan a 7 ans. Grosse dédicace à Nolan. Merci, mon ref. C'est plus 60 secondes, c'est 60 minutes. 60 minutes, j'ai pas compris. C'est un record. Ah, c'est un record. Ça, c'est 7ème round. Il y a plus rien qui sort. De bien connaître. Merci, moi. Momo. Merci, Marwan. Merci, Stélina. Bon, on commence. Let's go. T'es moi, je suis chaud. Allez. Inox, faut que je te dise un truc. Dis-moi. Justement, on parle de nos relations et tout, amicales, Elsa, tout ça. J'ai joué à 60 secondes avec Elsa. Ah oui, bah en fait, tout ce que tu fais avec moi, tu le fais avec ta meuf en mieux. C'est ça.
Donc tu ouvres les boosters, on les ouvre tous les deux. Bah ouais. Les boosters, on les ouvre tous les deux. Avec Elsa, je les ouvre à la Dracaufeu Shiny. Je joue à 60 secondes avec toi, on n'y arrive pas. Je joue à 60 secondes avec Elsa, on gagne. Mais bah, de toute façon, c'est pas avec moi que tu fais l'amour. Hein. J'ai très bien compris. Ah bah, j'espère bien. Ah oui, j'ai très bien compris. T'as vite fait le choix. Bah, hein. T'as l'air dingue. Non. Ah non, t'es un ouf, moi, je m'en fous, frère. Tant mieux pour toi, je suis content, je suis heureux, j'ai le smile. Ok. Mais 60 secondes. Non, mais en vrai, avec Elsa, on a gagné en mode normal. T'as gagné en mode normal. Moi, je suis chaud. T'as vu, nous deux. Nous deux, frérot, on est des monstres. On est là pour gagner. On est des monstres, les gars. On est là pour gagner. Donc, le chat, est-ce que vous pensez que ce soir, on peut gagner? Attends, mais j'ai vu un ovni passer là. Ouais, moi aussi, j'en ai vu un, je crois. La vie, il y avait un ovni. Ouais, il y avait un ovni. J'espère qu'il peut venir dans le bunker. Moi, merci, je veux merci, David. Qu'on soit en mode Tsarbomba. Ouais, moi, je suis trop. Extrême. Mode extrême. Mode extrême. Est-ce que c'est facile, le mode extrême, le chat? Le mode fanboy, je l'ai déjà gagné, ça sert plus à rien. Attends, je vais essayer de mettre la. Après, je l'ai gagné avec la fin la plus facile, je me suis fait sauver par les militaires. Parce qu'il y a plusieurs fins. Fanboy, ok. Il y a plusieurs fins. Et je me suis non, moi je suis chaud, on fait hard, mais ça va être hard quoi. Ça va pas. Moi je suis chaud, on fait hard. Non, commence pas à faire des amis. Ok, hard. Hard. Après, si t'es aussi t'es un mec hard, t'es hard hein. Moi y'a pas de soucis, frérot. Ouais, moi je suis. Y'a pas d'allusion, frérot. T'es un attaquant, grosse pointe, c'est bon. Je suis un attaquant. Ah, t'es moi. Un attaquant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci, gros délicat, j'encule fort. Merci, Jérémy, en tout cas. J'avais, il allait se faire niquer. Tu l'as vu? Tu l'as vu là? Merci. Merci, Jean. Merci, mon ref. Gros délicat, Valentin. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de gens, je pense. Il n'y a pas de gens? Bah, je pense pas. De quoi, de gens? Bah, je pense que Jean machin, il n'existe pas. Ah non, il n'existe pas. Jérémy, quoi. C'est ouais, Jérémy. Merci, Jérémy. Merci, Mehdi. Du coup, il t'a niqué, en vrai. Ouais, il m'a enculé. Bah, pourquoi tu lui dis merci? Bah, parce que t'aimes bien. Bah, il m'a donné 2 euros. Ah, j'avoue. Il peut m'en dire 10 des donates comme ça ou vive machin, je m'en fous, j'ai de l'argent. J'avoue, en fait, c'est nous les addicts. C'est nous les addicts. Non, je rigole, les gars. Non, merci beaucoup en tout cas, Jérémy. Attends, il y en a un dans le chat, il a dit c'est trop dur, il parle de quoi là? De la bite. Non, du jeu, du mode extrême. Le mode extrême. Le mode extrême. En tout cas, les gars, merci à tous d'être là. J'espère que le live va vous plaire. Merci à tous ceux qui sont là, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Ethan. Salut, Nox, très bon live à vous. Merci du fond du cœur. Merci, Ethan. J'essaye de lire un maximum les donates, les gars. Des fois, j'en loupe. Je m'excuse du plus sincèrement de mon âme. Des fois, je les loupe et j'espère que j'en louperai plus. En tout cas, c'est parti. Let's go. Donc, commencez. Alors, attends, est-ce qu'on se met le son? On se met un peu le son. Comme tu veux, vas-y. Les gars, le son, ça vous va ou pas? Est-ce que ça vous dérange le chat? Est-ce que ça vous dérange? On met pas trop fort. C'est quoi? C'est Apocalypse, nous? C'est Apocalypse, ouais. Donc c'est Apocalypse et l'expérience atomique. Ok, Apocalypse. Et c'est Tsarbomba, frère. Frérot, Tsarbomba, ça veut dire que c'est ultra chaud, ça. C'est ultra chaud, ça. C'est méga chaud. 0 seconde. En gros, temps d'exploration, t'as vu normalement quand t'es dans la maison et que tu te balades pour prendre les objets. Là, c'est le chrono, il commence direct. Donc t'as pas le temps d'analyser, tu récupères sans analyser. Après, on est deux. Donc à la limite, tu peux récupérer et moi je te dis, attends, là, j'ai vu la radio. Ah oui, ok. Je peux t'aider. Après, approvisionnement, je pense que ça veut dire que. Sur les autres modes, quand tu vas dans ton bunker, des fois, il te reste des trucs dans le bunker. Ok. Là, si tu récupères rien dans le bunker, il y a rien. Hein? Oui. C'est-à-dire? En gros, genre le mode Fat Man, tout à l'heure, je l'ai fait et j'avais pas récupéré le fusil. Ouais. Sauf que j'arrive dans le bunker et ça me dit... Et il y a un fusil. Ça me dit, le fusil était encore dans le bunker. Oh. Alors que là, il y a rien. Problème de santé au secours. Je pense que problème de santé, il y en a tout le temps. Problème chaque jour, ça c'est abusé, frère. Non, ça c'est abusé. Ça visiteur indésirable, horde, ça veut dire il y a tout le temps des mecs qui veulent te fumer. Mais frérot, équipement fragile, ça veut dire que ça casse très souvent. T'as gagné au bout de combien de jours avec le Fat Man? 56. Mais parce que j'avais. En fait, le seul truc, c'est que j'avais la radio, la carte et tout, et j'ai réussi à survivre avec mes ressources. Et le fait que j'ai la radio, j'ai réussi à avoir les militaires. Les gars, est-ce qu'on fait vraiment le Tsarbomba? Parce que gros, ça m'a l'air vraiment dur là, quand j'ai lu le truc là. Ça a l'air salax, hein. Personne a fini le Tsarbomba en France. Non, mais alors, faut pas me dire ça. Alors là, faut pas me dire ça. Tsarbomba. Tsarbomba, salut, let's ça go va. À quand une update de ta transfo? Bah frérot, en ce moment, frère, c'est je vais à la salle de semaine, j'arrête de semaine, je vais à la salle de semaine. Du coup, il y a pas trop de level up et tout, mais je continue la muscu et quand j'essaierai dans un an de faire quand même une petite photo et tout. Ah, skip, c'est le son de Granny. Merci mon frérot Banali. Hein? Non. Ah ouais, il était pas éteint depuis hier. Merde. Je me disais bien que c'était pas le son que je connaissais, vrai. Eh mais attends, hier t'es arrivé avec Squeezie. Ouais. Il a essayé de m'appeler.
Mais oui, frère, parce qu'il y a un mec qui tapait dans ton studio, frère. Il y a un mec qui était dans ton studio et qui nous faisait peur. T'as un monteur. Ouais, mais en fait, je me suis renseigné, c'était Thomas. Il nous faisait un prank. Ah, le bâtard. Ouais. Ah, le bâtard. Bon, bah. Attends, notre joke, personne n'a réussi. Attends, les gars, dites-nous vraiment. Quelqu'un a réussi le Tsar Bomba en France? Oui ou non? Mais c'est sûr. S'il y a personne qui a réussi, juste pour ça, j'ai envie qu'on le finisse. Ouais. Il y a un mec qui m'a dit, bah oui, personne. Tsar Bomba, c'est le plus dur. Tsar Bomba, fin. Personne. Ah merde. Personne. 60 non, secondes. Non. Tsar Bomba. Non. Non, personne. Quand la suite de Wesley Island? Ah frérot. Fin du jeu en Tsar Bomba, mais si. Pour t'acheter des capotes. Merci Tim, t'es un crack. Mais si, un mec il l'a fini. Ah ouais? Il s'appelle Pixplix. Il y a 5 ans, frérot. Faut remettre une petite piqûre, je pense. Ouais, c'est vrai que c'était il y a 5 ans, par contre. Mais il y a plein de gens qui me disent non, en vrai. Non, c'est faux, il y a déjà des gens qui ont fini. J'avoue, après, c'est en anglais. Tout le reste, c'est en anglais. Hein. Ouais, bah voilà, bah ça veut dire qu'on va être les deuxièmes à finir. Vas-y, t'es prêt? On fait? Vas-y, je suis chaud. Vas-y, Tsar Bomba. Je suis chaud. Gros, si on le finit, je suis chaud. Mais tu sais que moi, avant, je jouais que en Tsar Bomba. J'ai dû faire 5 games, j'ai jamais gagné, frère. C'est trop dur. T'as allé manger combien? Bah, je t'ai dit, mon record c'était jour 54. En Tsar Bomba? Ouais. Ah oui, c'est quand même bien. Mais je crois que j'y ai rejoué. J'y ai rejoué la dernière fois avec Timout. Et je crois qu'on était allé au moins jour 60 et quelques. Ah ouais, mais tu vas loin quand même. Oui, mais sauf que le problème c'est que je vais loin. Mais comme j'ai pas la radio ni rien, et bah en fait j'établis aucun message. Ouais. Donc en fait je bouffe des ressources. Et la fin c'est que la radio. T'es obligé d'avoir la radio. Bah pas forcément. Ou alors faut te faire des potes survivants, des trucs comme ça. Sauf que je donnais rien à personne. Parce que j'étais en manque de ressources, j'avais pas la radio pour établir de contact. En fait, en gros, la lecture, tu sais, c'est vraiment ça la fin. Genre, faut que tu lises, et quand ils te disent votre groupe de le groupe de survivants que vous connaissez vous a aidé, machin, c'est que tu te rapproches de quelque chose. Bon, bah, go, on tente, hein. Go, tenter. 3, 2, 1. Alors là, quand j'appuie sur commencer, c'est direct. Faut que je prenne quoi en priorité? Ah oui, là, c'est direct. Les gars, dites-nous qu'est-ce qu'on prend en priorité. T'inquiète, c'est masque à gaz. Ouais. En gros, le problème, c'est que t'as tout le temps des maladies. Ok. Et après, vers la fin du jeu, vers jour 30, t'as plus de maladies. C'est, il y a moins de maladies, mais il y a les pilleurs. Il y a les pilleurs. Merci Benny. Donc pour le début, il faut prioriser kit, masque à gaz, insecticide. Insecticide. Après, il faut quand même une hache pour pouvoir résister si jamais il y a des pilleurs après. Il faut de la bouffe, de l'eau. Tu prends 3-4 trucs de chaque. Ok. Les enfants, Dolores. Prends tout. Les persos, je les prends tous. On s'en bat les couilles de 1. Si tu veux, on peut s'en battre les couilles de 1. En vrai, ils sont pas tous utiles. Les gars, est-ce qu'on prend le timide merde? Frère timide, désolé. Après, j'avoue que en mode Fatman, j'ai joué avec Elsa. Et quand j'ai gagné. Il y avait pas Timmy. Ouais, il est jamais là, lui, quand on gagne. Il est mort. Enfin, au jour 10, il est jamais là, lui. Il est mort. C'est le plus jeune, mais il meurt. C'est triste. Je sais pas si on prend tous les persos. La radio, évidemment. Radio. Torche, la lampe torche. Est-ce que, en fait, je me dis, il se prend Mary Jane? Oui, non. T'en as? Ah, non, pas lui. Il y en a qui me disent, non, pas lui, hein. C'est quoi, on voit, hein. Est-ce que la priorité, c'est vraiment de les prendre tous, quoi? Bah, en vrai, il y en a souvent un qui meurt, tu vois. Mais à la limite, en vrai, prends-le. Quand t'en prends un, tu peux prendre un item avec. Tu peux prendre un item. Quand tu prends un mec, c'est un alors, item. Alors, stratégiquement, le mieux, c'est de pas prendre Mary Jane. Mary Jane, elle prend 3 places. Timmy, il en prend 2. Ok. Mais Mary Jane, elle résiste plus longtemps, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que elle est puissante. Ouais. En plus, elle se transforme. Elle se transforme en mutant en plus des fois. Alors que Timmy, frère. MJ, c'est 100% de réussite, Mary Jane, ils disent. En mode, il la faut, quoi. Mary Jane est trop solide. Faut la prendre, je pense. Vas-y. Donc on prend pas Timmy? Frérot, on prend Mary Jane. Mais à la limite, si tu passes devant, prends-le, on l'envoie en expédition, on lui donnera. Ouais, vas-y, t'es prêt? Ça, il meurt, mais il nous ramène des trucs. Tu localises les trucs, hein. Vas-y. 3. Je te dis. Au pire, si on fait un start de merde, on relance. Ouais, mais c'est nul. Ouais. C'est un peu de la triche. Ouais, c'est de la triche. 3, 2, 1. Let's go! Go, les gars, let's go! Merci à tous ceux qui sont sur le live. Le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, je sais pas si c'est maintenant. Aussi, la carte, un max de GL. Ok. Vas-y, masque à gaz. Let's go. Prends la bouteille d'eau. Vas-y, on s'en fout, prends la bouteille d'eau et pose. Ah, il y avait le cadenas, j'avoue. C'est quoi le cadenas? Va poser. Ok, là-bas, il y a Mary Jane et il y a le kit. Il y a le kit? Mary Jane, prends une bouteille d'eau dans la baignoire. Tu peux pas prendre le kit, merde. Vas-y, retourne prendre le kit et prends 2 bouteilles d'eau. Ah, il y a l'insecticide.
Ok, prends une bouteille d'eau. Le kit, on peut. Tu peux plus. Le kit. Y'a quoi d'autre? Là, on a perdu trop de temps. De l'autre côté, je crois qu'il y a plein de trucs. Ok, y'a Dolores. Tu peux rien prendre d'autre, mais ici, y'aura la carte et la hache. La carte à la hache, je les prends? Ouais. Je les prends? On n'a pas la radio du coup. Prends la carte. Elle est où la hache? Elle est là. Oh putain, le début, il est catastrophique. C'est catastrophique là? Retourne vers le milieu, on va essayer d'avoir la radio. À gauche? Putain, y'a pas la radio. T'aurais pu encore prendre un truc, je pense. Voilà, c'est trop dangereux, frère. Merde, faut que j'aille dans le truc! Oh putain, sa mère! Oh, on a eu chaud, hein. Je pense qu'on a un des pires retards, frère. En vrai, on a tout, hein. C'est juste la graille, hein. Non, on n'a pas la radio, gros. On n'a pas la lampe torche. On n'a pas l'insecticide, je crois. Les gars, éclatez le start. En vrai, ça va. Ah, l'eau, par contre, c'est va falloir. Il va boire sa pisse, hein. Hey, ils vont boire leur pisse, là. En vrai, ça va. Parce qu'en soi, on a des trucs pour la santé. Et on a des trucs pour se défendre. En vrai, gros, non, pour moi, on a un start bien. Mais on a rien, gros, on n'a pas la hache, fusil, insecticide, medical kit, machin. Ça peut le faire, hein. C'est juste, bah, l'eau, il boit sa pisse, le poteau. Après, ils sont que trois. Oh, on n'a pas l'eau de Timmy aussi. Oui, bah, Timmy, on savait qu'on allait. Il y en a, ils disent éclaté. Oui, c'est éclaté, hein. Vraiment? Ouais. On recommence? Tu veux que je fasse le start? On recommence? C'est vraiment un start nul? Ouais, vraiment, c'est éclaté. Putain, pourquoi? Pour moi, j'avais l'impression. Tu veux que je fasse le start? Vas-y, fais-le alors, tente. Vas-y, je tente. Pour moi, j'avais l'impression que j'ai fait un truc bien, mais bon. Mais indique-moi. Ok, on recommence, les gars. Je t'indique. Moi, je suis bon pour indiquer, genre. Vas-y. Je trouve vite les trucs, tu vois. Ok. Y'a pas de truc. Non, y'a pas de. Je suis juste bon pour indiquer. Ah merde, Jimmy, continuez. Oh non. Putain, mais je. On peut restart ou pas? Oui, on peut. Ok, les gars, on va restart et on va faire un meilleur. Tout le monde me dit c'est éclaté. Bon, j'ai compris, les gars, j'ai compris que c'est éclaté. Arrêtez de m'insulter, j'ai compris. Merci, le chat, faites-vous des cœurs. On prend Ted en principal. Hein? Ted en principal. Ouais, Ted en principal. Merci Jérémy. Ok. Gros Inox et Timéo. Merci le cous. Merci mon ref. Je vais avoir besoin de toi, Inox. Ouais. Let's go. On est où? Putain, j'ai pris Timmy, frère, dans la panique. Quitte dans le truc d'à gauche. Ok. Attends, là il y a là. Dolores. Dolores. Il y a la lampe torche. Canon. Comment ça canon? Le flingue derrière toi, il y avait le flingue. Tu veux qu'on le prenne? Ouais. Vas-y, on va le prendre. Ok, la radio ici, bien vu. Frère. Non, je voulais la radio. Ah, mais la radio, elle prend qu'une place. Ok. Il faut les enfants. La hache. Ils sont où les gosses là? Tu les vois pas? Non. Je crois que j'ai vu Marie. Ils sont au sous-sol, je crois. Ok, le là, il y a le kit. Prends-la là. Voilà. Putain, je crois que je vais pas prendre le kit. Non. Sa mère, elle prend trop de place. Prends le kit et les deux rations de bouffe qui sont dans la salle derrière. On a pas l'insecticide? Non, on l'a pas. C'est quoi le cadenas? Le cadenas, c'est important en vrai, ça peut permettre de défendre. Prends la bouffe, non? Ouais, là, dans la salle de droite. Gauche. Merde. Oh merde. Il connaît pas sa droite et sa gauche, ce plouf. Oh, y'a le masque à gaz, sa mère. On n'a pas pris le masque à gaz, frère. Et après, il m'insulte de mon start. Et après, il vient me dire que mon start est catastrophique. Je crois que c'est un peu mieux, mais je crois que c'est pas ouf non plus. Frérot, c'est le pire start de toute une génération. Arrête. C'est pire que moi. J'ai la radio, frère. J'ai la radio, la carte, la lampe. Non, en vrai, y'a pas mal. Ah, j'ai tous les enfants. Ils étaient déjà dans le bunker. En vrai, c'est le start de baiser, frère. Mais non, ils étaient pas déjà dans le bunker. Si, ils étaient déjà dans le bunker. Ah, mais non, je l'ai ramassé au tout début, Timmy. Et y'en avait un qui était déjà. Mec, c'est un start de baiser. Ouais, en vrai, c'est un start de baiser. C'est un start de baiser. J'ai même les munitions. C'est un start de baiser. J'ai ramassé les munitions. Ouais, oui, c'est un start de baiser. Le cadenas, il sert à quoi, frère? Le seul truc que j'ai. Le cadenas, en fait, si jamais y'a des mecs qui veulent nous fumer, on peut cadenasser le bunker. Ah ouais. Et ça nous permet de survivre. En fait, le seul truc que j'ai oublié, frère, c'est le masque à gaz, hein. Et l'insecticide. Ouais, mais là, ça veut dire qu'on a forcément un mec malade. Oui, mais on s'en fout. On envoie Timmy, il va être malade, mais on lui donne pas de bouffe. Et tu lui donnes le medikit? Comme ça, c'est comme si on avait le masque à gaz. Ah ouais. Ouais, Timmy, en vrai, c'est un peu Timmy, on l'envoie. C'est un jeune, hein, il va respirer l'azote. Ouais, tranquille. Merci, Zonality. Merci, Valentin. En vrai, ça peut le faire. En pour vrai. Pour la catritrosphique. Merci, Florian. Merci, mon frère, Florian. Il est catritrosphique. Merci beaucoup, Florian. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. En vrai, je suis chaud quand même. Merci beaucoup. Non, en vrai, les gars, arrêtez de dire. Après, relance. En vrai, dans tous les cas, on n'aura pas tout ce qu'on veut. Ouais, c'est donc, venez, on commence. Allez, t'es prêt? Ouais.
Le chat, est-ce que vous croyez en cette game? De toute façon, il y a que ceux qui croient. Il y a que si on y croit qu'on y arrivera. C'est vrai. Donc si on dit non, on a même un jeu, frère. On a un jeu, frérot. On a un jeu de dames, donc c'est bon. On est sauvés. On a tous réussi à se taire. Voilà, merde. Tiens, je pensais pas que j'avais la première. Eh, premier jour, on leur donne rien. On en donne rien, on donne rien. On leur là, on donne rien. On donne pendant 7 jours. C'est pendant 7 jours. 5 jours, 5e jour, faut donner de l'eau à tout le monde. Ok. Sauf à Timmy. Et. Jour 8, faut donner à manger. Là, on donne rien, là. On donne rien. Attends, tu m'as envoyé quelqu'un, non? Ah oui. Merci à Zonality pour ta donnée. Merci beaucoup. Je vais baisser un peu le son. En expédition, on envoie Timmy du coup. On envoie Timmy direct. Alors, en plus, Timmy a l'air partant. Timmy et Marie ont besoin de faire du sport. Laissez-les courir à l'extérieur. Non, mais. Alors, c'est quand même... Ah, mais ils pourraient jouer à chat perché dans l'abri. Ce n'est pas comme si on avait des vases. Doit-on oh non, ils vont péter la radio ou quoi. Ouais, ouais, c'est bon. C'est de la merde, c'est de la merde. Non, mais ça commence mal parce que ça part d'un truc où les enfants sont surexcités. Oui, ils veulent aller dehors. Là, je vais en prendre un, je vais l'envoyer dehors. Il va revenir malade, mais je vais l'envoyer. Ils veulent aller dehors. Timmy, tu dégages. Allez hop. Timmy, tu vas aller dehors. Tu veux jouer à sa percée? Tu veux jouer à sa percée? Allez hop, il est où? Allez hop, ça dégage. Allez. Attends, donne-lui des trucs. Ah bah non, en vrai. Bah non, y'a rien à lui donner, frérot. Il va jouer à chat. Allez hop, ça dégage, Timmy. Rip Timmy, merci Bélier, les gars, vous pouvez mettre un maximum de Rip Timmy, il va mourir au bout du 5e jour. Merci Imran. Après le but c'est qu'il ramène des trucs quand ouais, même. C'est vrai. S'il ramène des podcasts, ça me va. Jour 4. Ouais, en vrai j'avoue, faut se protéger. Bah oui, faut se protéger. Timmy est sorti de l'abri, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que jour 4 on nourrit personne? On donne rien, on donne rien. Oh non, oh, déjà. Là, ça commence. Attends, mais on est en ultra hard. Les gars, on est en ultra hard. J'avais oublié. Le silence et l'ennui nous accablent. Si seulement nous avions une télévision, mais peut-être que nous pourrions utiliser quelques ressources de l'abri pour recréer des scènes de films. Je rêve où il veut mettre une hache dans la télé en mode ouais, c'est un film. Non, mais eux, ils se foutent de notre gueule. Est-ce qu'on recrée une scène de film? Après, ça peut mettre une bonne ambiance. Mais après, on a plus de hache après. Je sais pas si ça va la casser. Mais imagine, il veut recréer une scène de Walking Dead. On a un fusil. Et il coupe la tête. Attends, mais ça sert à quoi ça? On le fait ou pas le chat? Pour recréer une scène de film. Mais ça sert à quoi de recréer une scène de film? Il s'est pris pour Spielberg, l'enculé. Mais pourquoi? Mais c'est hors de question. Mais eux, c'est des malades. En fait, ils se font trop yesh. Merci Zonality, merci mon ref. En vrai, ça fait 4 jours, ils sont dans un bunker. Frère, toi, tu serais 4 jours dans un bunker. Oh, j'ai une idée de baiser. 4 jours. Tête de homme, tu viens. Dans 3-4 mois, on le fait dans la vraie vie. On doit rester 4 jours dans le bunker. Et on fait le jeu. 4 jours. Tous les deux. IRL, le jeu IRL en vidéo. Mais comment ça le jeu IRL? Bah en mode on a une minute pour prendre plein de trucs dans une salle et on descend 4 jours. Et y'a des gens qui viennent toquer au port des guests et tout. C'est trop baisé. Viens, on le fait dans la vraie vie. Moi j'ai des couilles plus grosses que le béton armé, gros. Viens, on le fait dans la vraie vie. On fait 4 jours. Eh bien, on fait 2 jours. 4. Sinon t'auras pas la soif. Faut que t'aies la soif, la faim. 2 jours t'auras pas faim. 4 jours, tu vas voir ce que c'est d'avoir faim. C'est trop d'art. Le concept est trop baisé. Viens, on le fait. Ouais, j'avoue que c'est le masterclass. Non, c'est le masterclass. Viens, on le fait dans la vraie vie. S'il te plaît. Je t'en supplie, gros. On fait venir des araignées. Soit tu mets des insecticides, soit il y en a 20 dans l'habitat. Non, c'est trop mais baisé. C'est trop baisé. S'il te plaît, viens, on le fait. Mais on fait tout. On fait comme le jeu. Gros, c'est le masterclass, la vidéo. C'est le masterclass. S'il te plaît, viens, on le fait. C'est masterclass. C'est les meilleures vidéos du monde. Avec le plan. Yes, yes, let's go. Les gars, on va le faire dans la vraie vie. Soyez patients, ça va prendre du temps, faut du budget. Donc on sera une minute dans une maison, faut avoir ouais. Récupère genre l'insecticide. Tous les deux, on les prend bouteilles tout. D'eau, la ouais, bouche. Ouais, tout. Et on doit rester 4 jours. Même genre mais gros, si t'as pas de bouffe, tu meurs. La PS4 et tout quand même. Tout. Sinon on va oui, se chier de oui. Ça va être trop dingue, gros. Gros, ça va être trop dingue. C'est le meilleur concept. Et toutes les heures, il y a un mec qui passe à la porte, soit on ouvre, soit on ouvre pas. Oh non, ah ouais. Meilleur. Et soit c'est un mec, soit c'est un oui. Mec. Il rentre avec un truc, il dit je vous prends une bouteille d'eau. Ouais, t'as des bandits, ils viennent, ils nous braquent, ils pétaillent et tout. Oh, c'est le meilleur concept du monde. C'est le meilleur concept du monde. C'est trop bien. Ok, on le fait. Les gars, soyez patients, c'est dans quelques mois, mais c'est bon. C'est bon. Là, ouais, c'est un truc de baiser. Ça prend du temps, soyez patients, c'est pas le mois prochain. Mais par contre, on va le faire, c'est sûr. C'est trop. Oh, ça va être trop d'art. Ça va être trop d'art. Il faut que vous soyez 4. Forcément, non, ouais. Non, pas forcément, mais on peut prendre des mecs qui sont dans les salles. Ah, tu crois? Bah oui, c'est drôle. Genre, on met Amine et Bibi ouais. Dans le salon. On met plein de gens. Je prends Amine. Ouais. Mais tu dois le porter, tu perds du temps. Oh putain. C'est trop d'art. Amine, il va courir pour pas qu'on le prenne. Ouais. Il va dire, je veux pas être dans le bunker. Non, en vrai, meilleur concept. On va le faire. Les gars, c'est promis, on va le faire. C'est bon, idée de baiser. Mettez des pouces bleus pour qu'on le fasse. On fait quoi? Bon, lui, c'est pris pour Spielberg. Il dégage, hein, oh, frérot. C'est bon, on fait pas Avatar là. Hein. Allez hop.
En vrai, le concept, c'est masterclass. Mec, c'est trop bien. Ah, en plus, c'est que ça fait 3 jours, les gens ils me disent, mais fais 60 secondes dans la vraie vie. Mais gros, c'est. Et moi, je suis en mode, mais les gars, comment ça? Il faut qu'il y ait une explosion nucléaire. Pour que... Mais gros, c'est... on peut le faire, gros, on fait un bunker. Oh, ça va être trop d'art. Ça va être trop d'art. Ça va être trop baisé. Merci beaucoup, Andy. Garde la hache jusqu'au bout. Envoyer la gamine en expédition, elle peut être mutante. Non, je crois que le seul moyen qu'elle soit mutante, c'est les araignées. Moi, c'est les araignées au début de game. Moi, c'était ça. Moi, c'était ça. Merci, Zonité. Merci à tous ceux qui sont là. Ok. Donc, on a envoyé Timmy. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Faut les nourrir jour 5. C'est eau ou nourriture? C'est eau, eau, eau. Ah, donne que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Elle aussi? Ouais, ils ont pas faim. Tu sais que eau, on en a pas énormément. Gros. D'après la radio, l'armée s'apprête à parachuter des caisses de provisions pour les survivants. Frère, par hasard, c'est le seul truc qu'on a pas pris. Mais ils font exprès, ils font exprès. Mais c'est des chiens. Hey, ils font exprès, ce juste matin. Juste pour nous mettre le seum. Hey, ils font exprès. Zwix, merci pour ton sub, bienvenue frérot. Ouais, merci Zwix, salam. Je monte en abo, merci Théo, merci mon ref. Bon bah on peut pas hein. Putain gros, mais c'est comme par hasard gros quand on a besoin. Fais chier. Ok. Jour 6. Sortir aucune protection est bien trop dangereux. Maristoine n'a plus faim, n'a plus soif, juste affamé. C'est 7ème jour hein, la graille. 8ème même, tu peux attendre. 8ème? Ouais. Oh, encore quelques heures à tout sauter et on s'y habituera. Les hélices de notre ventilation ont arrêté de tourner et l'air ne rentre plus à l'intérieur. Nous devons les réparer avant de finir comme des rongeurs victimes d'un désastre. Là, on est obligé. La dernière donc fois. Donc tu répares ça avec un livre. En mode, tu mets le livre, ça fait tourner l'hélico. C'est un livre, c'est un manuel. Ah, c'est un manuel. Il y a peut-être un tuto. Je pense que c'est un tuto. La lampe torche. La lampe torche est morte. Ça sert à quoi la lampe torche? Utilise pas la lampe torche. Bah, ça fait de la lumière. Mais ça sert à quoi? S'il y a plus d'électricité? Bah oui, donc ça sert à rien. Ouais, mais ça sert à quoi dans le jeu? Bah, sortir la nuit ou faire des signaux pour les hélicos de l'armée. Ok. Donc, vas-y, on vire ça alors. Ouais. Les gars, vous êtes d'accord? On vire ça? Je pense que tout le monde est d'accord pour le livre. Ouais, vas-y. Gros, par contre, ça c'est relou parce qu'ils peuvent tomber malades. S'il y en a un qui tombe malade, on est. Ah oui, s'il tombe de froid. Merci Dembreva pour tes 26 mois de sub. Merci mon ref. Putain. Je rêve où il est malade l'autre con. Oh, j'ai trop laissé. Donc, on a Timmy malade et lui. Putain, mais. En plus, t'es, c'est le personnage principal. Ah oui, mais lui, faut le sauver. Hein. Bah ouais, on met le medikit sur lui, mais c'est chiant parce qu'il tombe malade sur ça. Et après, on aura plus de medikit. Et après, il peut retomber malade. Et après, il peut retomber malade. En vrai, viens, on le garde malade quelques jours. Parce que c'est pas grave. Il peut tenir combien de temps malade le chat? Je crois qu'il peut tenir 20 jours. Mais est-ce que c'est quoi le minimum? Nous, faut le minimum. Ouais. On prend pas le risque. Nous, c'est le minimum. Faut, par exemple, si c'est 10 jours, on attend 10 jours. Le minimum. Moi, je pense que le minimum, c'est 15 jours. 15 jours le minimum? Alors à partir de maintenant faut compter les jours. Après ils disent dans le livre. Merci Skilou. Des fois ils disent il est gravement malade, il lui faut des médicaments et vite. Ok. Donc quand il dit et vite surveille. Pour une expédition envoyer jeu égale nourriture eau. Merci frérot. Ted a une vente qui gargoule, Dolores a un petit creux, souffre d'une infection. Ouais il est infecté le coup. Okay. On claque pas hein. On claque rien. Au bout du 10 jours. Ouais le chat me dit 15 jours. 15 jours ouais. Donc tu sais quoi? On est jour 7. Ouais. C'est jour combien 27. 22. 27. 22. 22, 22ème jour. Ok, 22ème jour, on nourrit alors. On donne rien à manger, rien à manger. Ok. À l'époque, on avait de l'espace, ok. Ok. Bon, faut que Timmy rentre là. Preuve, Timmy va rentrer malade. Imagine, il rentre pas malade. Imagine, c'est un surhomme. Et il est pas malade. Genre, il a pas besoin de masque. Imagine. C'est possible ou pas le chat qui rentre pas malade, Timmy? En vrai, c'est possible. Ah, c'est possible. Mais il y a de mini-champs, je pense. Je pense que là, faut donner à manger. Faut donner à Graille jour 8. Tous? Ouais, je pense. Ouais, putain, on a déjà provisions. Cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant derrière la porte. Quand on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il n'y avait ni nom ni adresse. On prend. Mais on dirait pas qu'elle était destinée. On prend. Ouais, mais imagine. On a trop besoin de bouffe. Imagine dedans, il y a une putain d'araignée, elle tue tout le monde. On a un kit. Oh, le risque de B. En plus, on est en ultra hardcore là. Ouais, j'avoue qu'on est en ultra hardcore. Est-ce que j'appuie? Hey, il y avait écrit problème chaque jour. Le chat, c'est vous le chat qui allez décider. Mettez des flammes si on prend, mettez des croix si on prend pas. Mais on prend frère. T'es sûr on prend? Mais ils disent oui, ils disent. Merci oui. Beaucoup Célène, t'inquiète, pas de soucis. Marie-Jane a de la soupe dans les cheveux, encore la traître. Attends non. Oh la salope. On lui a même pas donné à manger. Pourquoi elle a de la soupe dans les cheveux elle?
Elle agraille encore, elle agraille le pot. Non mais gros, elle plus jamais je la prends, c'est quoi? Elle je la prends plus. Il y a que des flammes. Ouais bon allez, on prend alors. On prend les gars. Vous êtes retournés. La valise. Ce concept est incroyable. Merci beaucoup mon ref. Mais pourquoi le pas le pousser au maximum en faisant un live avec les abonnés qui participent en donnant des défis? Ça pourrait être encore mieux, plus masterclass. T'inquiète frérot. Ça peut être un truc. Je vais prendre mon après. Temps. Oui. Je vais prendre mon temps, on va écrire et vous inquiétez pas, vous participerez dans le concept, c'est promis. Voilà, je l'ai dit, j'ai. Mais il faut, moi je pense qu'il faut que tu prépares des trucs, mais pas trop. Il faut qu'on se fasse chier toute une journée. Ah mais oui, faut qu'on se fasse chier. Parce que là, le truc du bunker, ils ressentent la faim, la soif et tout. Mais on voit pas qu'ils se font chier. Ils ressentent l'ennui aussi, frère. Il faut que vraiment. Nous on ressente. Après, j'avoue, faut que tu mettes des trucs dans la maison, genre on récupère une DS, ouais, on ouais. récupère une Wii. Pour pas se faire chier. Voilà. Ouais, ça va être trop dard. Mais crois-moi que t'inquiète. Si on a joué depuis deux jours à la DS et que. Ça va nous saouler. Ça, frère. Ça va nous saouler. On va s'embrouiller et tout. C'est réel, on va s'embrouiller, c'est sûr. Ouais, ça va être trop dard. C'est sûr qu'on va. J'ai trop hâte qu'on s'embrouille et qu'on va avoir une bouteille d'eau. Moi, je vais être là en mode. J'ai trop soif. Ouais, ouais. Et toi, tu vas être. Mais nique ta race, c'est notre seul. Ouais, ouais. Oh, ça va être trop dard. Merci, Skilou. Ok, du coup, on l'ouvre. Le chat a décidé ainsi. Ouvrons-le. On aime trop s'embrouiller, frère. Jour 9. Dis-moi qu'il y avait un bête de truc. Oh putain, elle est malade. Elle aussi. C'est à cause de la valise, frère. Oh, c'est sûr, il y avait un putain d'araignée. On a trouvé une soupe à l'intérieur de la valise, mais elle était périmée. Mais j'ai pas appuyé sur le bouton pour que tu la manges. Pourquoi tu l'as mangée? En plus, on lui a donné à manger, frère. C'est-à-dire qu'elle a mangé deux fois. Mais gros, mais je n'ai pas appuyé sur le bouton pour qu'elle graille. Pourquoi la graille? Oh non. Marie-Jane est affamée. Putain. Marie-Jane aussi, elle est malade? Quoi? Mais non, elle a ouais. soif. Bon, on fait quoi? Je leur donne à grailler à soif, elle ou pas? Est-ce qu'elle est déshydratée? Putain, faut donner à boire à tout le monde, je crois. À tout le monde? À tout le monde. Oh. On sauve. Ouais, mais putain, on est obligé de sauver l'autre Ted là. Non, attends, on attend. Il va falloir mettre toutes les chances de notre côté, ouais. Bah frérot, heureusement qu'il y a le dessin tête de mort, parce que j'étais pas en train de voir qu'on était tous en train de canner. Mais heureusement que t'as dessiné ça. Non mais gros, c'est merci trop. Merci Skyven. Gros dédicace Enzo, merci frérot. Jour 10, allez hop. Oh, eh ben il est malade aussi. Bah oui frérot. Par contre, t'aimes toutes les soupes qu'il y a. Ouais, je l'ai ramené. Frérot, il est allé à Intermarché. Il est devenu à Intermarché. Mec, c'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. Timmy le monstre, par contre on le laisse crever. Bah il sert plus à rien maintenant. Ouais, on lui donne merci pas à manger. Pour t'a donné, merci. On lui... Eh, viens, on le renvoie. On peut pas quand il est malade. On le laisse pas? Non. Ah oui, il est fatigué. Trois soupes de bouteilles d'eau. Trois soupes de bouteilles d'eau. C'est un monstre, mais frérot, il aura fait que ça dans la game. Et là, on a toujours. Frérot, il y a trois médicales, j'en ai que un. Je peux pas faire moitié-moitié? Non. Bah, tu là... soignes? Bah, ah non, pas tout de suite. C'est combien? Tu m'as dit jour 20. Jour 22. Jour 22. Mais là, faut les nourrir, là. Non, ça va. Ça va? Ouais. Tu sais, c'est quand faut nourrir? On les a nourris jour 7 ou jour 8? Jour 8, je crois. Donc jour 12. Ok. Jour 12? Okay. Ouais. Expédition Mary Jane, hein? Mais frère. Oh, Dolores, on peut l'envoyer, hein? Ah, viens, on envoie Dolores, elle est malade. Elle va canner, frérot! Mais elle va tomber doublement malade. Oh non, impossible de remettre la main sur nos munitions. On elles a sont forcément quelque part, il faut les retrouver. On a perdu nos munitions. On peut pas perdre la lampe torche? Elle peut casser, je crois. Frérot, pour moi. La lampe torche, là, elle aurait été grisée si on l'avait pas. Et on se serait dit, oh dommage, on n'a pas la lampe torche. Ah, il y a moyen. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, il y a moyen. Là, moi, pour moi, faut claquer la lampe torche. On va retrouver nos munitions. On va voir. Et ça va être un move de génie, sa mère. T'es un génie. Voilà. T'es un monstre. Le chat, on peut le dire, GG. On peut le dire. C'est de la lecture de jeu, ça s'appelle. Ok, monstrueux. Il est bon. Ok, du coup, c'est jour 12 là. Ouais. Jour 11. On s'aide, le ventre qui gargouille, l'état de tête c'est pas rangé. Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Bah les couilles, hein, toi tu vas pas faire ta cocotte. Dolores a un petit creux. On a rien à faire pour améliorer l'état de Dolores. Putain, les deux Chimie parents est malades. Très pâle. En vrai on est pas obligé de nourrir là. Non c'est bon. Par nourriture pense, pour Chimie, ouais, je pense Timmy. Aujourd'hui là, ou jamais. Ouais je pense que Timmy. Bon il en a ramené pas mal, il mérite. Ah quand même, ok. Ouais en vrai il mérite. Dolores, on envoie Dolores. Elle. Envoie Dolores. Il a ramené 4 soupes. Y a je lui ai même pas donné la capsule. Il est encore là. Il est encore en vie, j'ai bien fait. Il est encore là.
Merci beaucoup Rome du 22. Merci pour 50 euros, c'est énorme. Merci beaucoup gros. J'espère que vous avez, vous serez toujours là l'un pour l'autre. Mais évidemment. Toujours évidemment. Merci Célia, merci Ounarayom. Sauf s'il a besoin d'argent. Tu m'en donnes pas? Ah frère, tu te démerdes. Ouais, c'est vrai. C'est la vie. Hein. Ah, gros. Moi, j'aurais pas fait pareil par contre. J'aurais donné direct. Oh hein. Le menteur. Non, je rigole. Merci Célène. Il n'y avait pas besoin du son. Merci Célène pour ton sub. Ok, du coup Michou, on en est où? Alors, Dolores est sortie à la surface, on croise les doigts pour elle. Je m'en bats les couilles. Ted a le Ted a le ventre qui gargouille et est toujours malade. Ted ne fera pas Il faut donner à manger à tout le monde là. Ok, déshydratation, peu de nourriture. Mary-Jane n'a pas besoin de nourriture par contre. Un peu, oui, j'avoue. Mais apparemment Ted aussi, il a juste le ventre qui gargouille. Timmy bah, par contre... On donne pas à manger hein. Timmy n'est pas reposé. Timmy va mourir là. On donne juste de l'eau. Juste de l'eau à... Même pas. On donne à manger et à boire demain. Et on leur donne pas à eux? Non. Ok. Oh putain. On a la radio? Ah oui. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut et rentrer dans cet abri. Écoutons les soldats. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait... Ah, donc là, c'est l'appel aux soldats. C'est l'appel aux soldats. Ok, c'est parti. Imagine, la radio casse. On contacte les mecs, mais on n'a jamais de nouvelles après. Oh là, c'est honteux là. Ok, let's go. Ok, carré. Bah, en fait, on les a pas encore contactés. Là, juste, ils envoient un signal. De toute façon, on sait. Pour qu'ils arrivent, c'est 50 jours. Hein. J'ai compté le délai la dernière fois. Même au bout de 50 jours, ils étaient pas là. Donc, on faut faire bélec, quoi. On le savait, le gouvernement est toujours en place et ils vont venir à notre secours. Ok. Oh, c'est bon. Non, ils nous ont répondu. Il va falloir leur donner un signal maintenant. Ah, si, il a dit. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise. Mais ça ne devrait pas plus traîner. C'est je sûr. Pense qu'ils ont juste fait un message en disant on va vous aider et tout, on redonnera des nouvelles. Ah, ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours. Ok. Et donc, qu'on devait attendre les instructions. Jour 15, on écoute la radio. Ok. Ted a le ventre qui gargouille. Ted n'a pas l'air d'aller mieux. Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy. C'est apparemment, Ted, il a pas encore l'écrou. Hein. Ouais, il a pas juste le ventre qui gargouille, ça va. Non, hein. Ça va. Timmy, par contre, faut le graille. Faut qu'il prenne à graille. Mary-Jane, faut qu'elle mange. Mary-Jane, faut qu'elle mange. Et lui, faut qu'il graille. Qu'elle boit. Ouais. Déshydratation? Ouais. Et Ted aussi. Lui rien? Si, déshydratation. Ah ouais, ok. On aurait pu le faire canner sans faire exprès. Là. L'eau, ok, on a encore de la marge. Ok, let's go. Oula. Merci beaucoup Ludovic pour ta donnée, merci du fond du cœur. Merci Jours, merci So pour ta donnée. Frère, Timmy donne-lui rien. Timmy donne-lui rien. Avait l'air de bien aller quand il est rentré, mais apparemment il s'est coupé avec du métal rouillé. Mais frérot, mais lui il en rate pas une. Eh, il en rate pas une. Déjà le gaz dehors ça lui suffit pas, il se coupe. Eh, donne-lui même pas à manger, il va. Si, je lui coupe la main. Comme ça, il est plus rouillé. Ça sert à ça, la hache. Ouais, mais... Tu coupes la plaie. Tu coupes la main. Peut-être ça va le guérir. Frérot, c'est un surhomme. C'est un surhomme. Gros, je coupe la main. C'est un surhomme. Les gars, où est-ce qu'on lui coupe la main? Coupe-lui le bras. De toute façon, il va canner, donc autant tout couper. Les gars, on lui coupe le bras. Je pense que si on lui coupe le bras, ça va pas s'infecter. Bon, ça nique la hache. On l'a utilisé ou pas, la hache? Non. On l'a pas utilisé. Moi je pense amputation hein. Amputation. C'est. Tu te fais amputer. N'empêche, on est là pour lui, Timmy. Ouais, voilà, on lui coupe le bras. Mec, bon, s'il fait une hémorragie, c'est pas mon problème. Appel. Oh, c'est les Condés. Les Condés, non, c'est pas les Condés. On a plus de hache. On a plus de hache. C'est vraiment une merde. Et il est quand même blessé, frère. Et il est encore là, il a encore son bras, cet enculé. Oh là là. Oh, allez hop, lui je le fais canner, allez hop, c'est bon. Slash ban. Timmy est courageux, quand on lui a demandé s'il voulait qu'on le couturait s'appeler, il n'a pas hésité. Ah, il a hache à déposer, à déraper. Comment un ça, Timmy a l'air d'aller mieux? Il est encore blessé, il est encore malade. S'il y a écrit qu'il tremblote, c'est vraiment qu'on a le seum. Timmy est très pâle, c'est pas bon. Timmy est blessé. Frère, la hache, elle a servi à rien. Bon, on lui donne à manger ou pas? Oui, le chat, on lui donne à manger ou on s'en bat les couilles? Mais on lui a donné à manger. En vrai, frérot, on lui a donné trop. Dans la vie, tu donnes trop. Et quand tu donnes. Il a niqué la hache. Il a niqué, frère. C'est bon, demain, moi, je te donne, faut que tu me donnes. Au moins un truc. Lui, en vrai, il a ramené 4 soupes. Des soupes. Il a quand même géré son expédition. En vrai, il a géré. J'ai pas eu l'aller les chercher, mais. Pendant, je pense que Ted, faut qu'il mange. Ted? Il a pas mangé hier. Ted a faim. Ah, c'est tout. Ted, par contre, je l'aime bien, il me prend pas trop de bouffe. Donc, lui, je vais le garder. Oui, lui, je vais le sauver. Il a mangé qu'une fois. Il a mangé qu'une fois. En vrai, y'a rien là, j'ai rien à faire. Faut prévoir de la nourriture pour Timmy. Timmy. Ouais, bon, Timmy, il se démerde. Il se compte nous. Non, tout le monde me dit là, non. Vas-y, ouais, je suis trop gentil, trop gentil, trop. Con. Ah, ça on m'a refait pas, moi. Dring, dring. Vas-y, envoie Timmy, il va répondre. Ouais, bah oui. Bah voilà. Bah oui. Ouais,
La sonnerie vient sûrement dehors, sûrement une cabine téléphonique en face. Allez hop, Timmy, tu cannes. Si tu cannes, ça m'est égal. Au moins il a répondu. Au moins t'as répondu, t'as ramené de la bouffe. Il a encore envie. Oh putain, lui je sens que ça va être un. Lui ça va être un titan les gars. Je vous le dis, il va être incroyable. C'est l'étoile montante du bunker. À chaque fois c'est celui qu'on veut tuer, il canne jamais. À chaque fois gros. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout, Phil a poussé. Ok, c'est les survivants de Hill Valley. Oh trop bien, on a commencé à échanger des informations. Ils ont dû avoir un problème de santé pourvu qu'ils rappellent. Ted est toujours malade, Ted a l'air très faible. Voilà, à la tête, faut qu'il mange. Ted, on le mange. Voilà, ça fait plaisir de lui donner à manger. Et encore souffrant, tant de faire. Il y a trop de choses, j'arrête de lire. Lui, c'est que ça. Ouais. Que ça, hein. Je pense que c'est tout, ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une bonne game, le chat? Vous en pensez quoi? Ça fait longtemps, on a aucune. C'était les deux jours. Donc là, on appelle les condés. Là, l'armée. L'armée, faut qu'ils viennent. Bon, je pense là, il n'y a plus Timmy, frère. Hein? Mais mec, il est encore là. Il est encore là, Timmy, frère. Mec, je fais, les gars, soigne Ted. Tout le monde me dit de soigner Ted. Jour 22, on a dit. T'es sûr? Oui, il n'y a rien d'écrit. Je te dis, quand ils sont vraiment malades, qu'ils vont mourir, ils disent ouais, il a besoin de pilules. D'accord, ok. Ted va infecter les autres. Non, mais elle, frère, elle est pas infectable. Ouais, elle est pas infectable. Elle, frérot, c'est une surhomme. La dernière fois, elle s'est devenue un zombie. J'ai confiance. Au pire, elle s'est infectée, ça va devenir. World War Z, voilà. Me va. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence. Les nouvelles sont bonnes, les retombées radioactives se sont presque dissipées. Ah, on va bientôt pouvoir sortir sans masque à gaz. Ted n'a pas l'air d'aller mieux, il a très soif et il a faim. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture, faut donner à boire à Mary Jane. Bah les couilles là, on donne à personne. Faut prendre la nourriture pour Timmy. Timmy, bah les couilles. Les blessures de Timmy ne vont pas guérir si tôt, il lui faut de l'eau tout de suite. Mais est-ce qu'on le soigne, frère? T'as vu l'état dans lequel il est? Il lui faut deux kits de soins pour le sauver. Tu veux sauver Timmy? En fait, j'ai pas envie de le sauver, mais j'ai envie de l'envoyer et qu'il meure là-haut, tu vois. Mais au moins, je peux pas m'en vouloir. Donc tu veux... En vrai, il est pas fatigué. Ça veut dire que quand Dolores vient, on va pouvoir l'envoyer en expédition. Attends, j'ai une question, frérot. Si on a un kit, là, on peut pas en avoir deux? Non. Pourquoi on claque pas le kit? Ça se trouve, le mec là-haut, il pourra nous ramener un kit. C'est vrai aussi. Mais ils peuvent retomber malades. Ils peuvent retomber malades, mais... Mais c'est très rare de trouver un kit. C'est très rare de trouver un kit. T'en as beaucoup, ils me disent soigne. Soigne Ted. Au pire, viens là, en vrai, jour 16, on soigne Ted. Tu donnes à boire et à manger à Timmy. Et comme ça, quand Dolores ça rentre, on l'envoie en expédition. Parce que, est-ce qu'il est fatigué? Blessure maladie. Non, il est pas fatigué. Yo, merci, ça veut dire qu'il peut partir. Ok, bah on l'envoie, on fait ça. 1, 2, 3, on fait le move. Ouais, on fait le move. On fait le move. Le chat, vous validez le move ou pas? Je pense que le move est validé. C'est le move. Merci à tous ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes des cracks, les gars. C'est bon, on soigne. C'est bon. Bien vu le kit à l'hôpital. T'as pas de pitié pour Timmy? Non. Oh, en vrai, on lui donne à manger à boire. Et en vrai, les gars, j'ai de la pitié. Je lui donne à manger à boire. Il serait déjà mort sinon. Ouais, en vrai, il serait déjà canné, les gars. Les gars, c'est pas ma faute, mais Timmy, à chaque fois qu'on joue avec. Il sait pas faire sans tomber malade, en fait. C'est... Après, on l'a envoyé jour 2 sans masque à gaz. Ouais, c'est vrai, en vrai. Après, il s'est blessé. Donc là, il abuse. Ouais, il abuse. Oh, il s'est blessé avec un grillage rouillé. Ah, c'est bon, à un moment. C'est bon. Oh non. Qu'est-ce que c'est? On dirait pourquoi un pourquoi les murs se mettent à trembler? C'est un séisme. Bon, sauf la radio directe, hein. Ah, bah oui, mais en vrai, on s'en fout de la lampe torche, frérot. Pour moi, c'est l'item qui sert le monde. Tu vas voir. Ils vont dire... L'armée a besoin d'un signal qu'on leur donne avec la lampe torche. Tu vas voir, comme par hasard. Notre lampe torche, elle va casser, ils vont dire ça comme par hasard. Radio, c'est deux fois plus important que la lampe torche. Oui, ou la radio. Bon, bah, y a pas de question à se poser. Radio, trop important. Allez. Bon, déjà, on a un en moins malade. L'autre, il peut pas contaminer les autres. Oh, Dolores est de retour. De l'eau, elle a ramené des bidons d'eau. Elle a ramené de l'eau, c'est ce qu'il nous fallait. La torche est cassée. Ouais, la lampe torche, elle est cassée, évidemment. La torche est cassée, qu'est-ce qu'elle a ramené? Bah, y a plus de medikit. Et qu'elle a ramené que de l'eau. J'arrive où elle a ramené que de l'eau là. Alors me dites pas ça parce qu'elle va vite remonter. Elle a ramené la hache. Oh, elle a ramené la hache. Ah oui. Oh ma magnifique. Oh, ça va. Un maximum de GG Dolores. En vrai, Dolores, je te jure, je l'ai kiffé, elle est trop forte. Qui doit-on appeler lorsque le monde entier est en feu? Les pompiers, bien sûr, nous étions enchantés de trouver la caserne. 3. Oh. Et ça, pendant un an, nous avons trouvé un mannequin habillé en policier accroché au mur avec une hache. Nous avons inspecté les parkings avoisinants en quête d'un véhicule qui n'aurait pas été totalement réduit ensemble. Malheureusement, il n'y a rien d'intéressant. Les prochaines expéditions seront peut-être plus fructueuses. Ça, il faut lire. Parce que le véhicule, apparemment, ça peut être une défunte. Ah, le véhicule peut être une défunte? Ouais.
Donc nous avons inspecté les parkings avoisinants en quête d'un véhicule qui n'aurait pas été totalement réduit en cendres. Ça veut dire il y a un véhicule. C'est une défunte. On sait pas encore ce qu'on peut faire, mais c'est une défunte. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive. Je pense que Ted, on va lui donner à boire. Je crois que Ted et Mary Jane, ils doivent boire. Ouais. Dolores, elle a juste un petit creux, ça va. Ouais. Et Timmy, on l'envoie en exped. On lui a donné à manger et à boire hier. Tu m'as dit, c'est quoi? Soif, et je crois que c'est tout. Voilà, et expédition. Expédition Timmy. Oh putain. Nous avons fait une rencontre étrange aujourd'hui. L'homme avait l'air tout à fait humain et possédé. C'est le mutant qui veut nous aider en expédition. C'est le mutant? Ouais. Tu vois ça? Il avait un peu trop de mains. Oh, si nous partageons nos ressources avec eux, oui, ils nous protégeront lors de notre prochaine expédition. Moi j'adore les kids paddle. Non, par contre, on leur donne de la soupe. C'est eau le plus important ou la soupe? Moi j'aurais donné une bouteille d'eau. Ouais, t'as peut-être raison, je pense que la soupe c'est le plus important. Je remarque qu'ils donnent plus facilement des bouteilles d'eau que des soupes. Hein. Ouais, c'est vrai. Les gars, eau ou soupe? C'est vous qui choisissez. En vrai, on a à peu près pareil. Gros, les gars, vous êtes 75 000 sur le live. Merci du fond du cœur, c'est énorme. Merci beaucoup, les gars. Merci d'être autant. Ça fait plaisir. Ça nous touche du fond du cœur. C'est grâce à vous, la force que vous nous donnez tous les jours. J'espère que vous passez un bon moment et qu'on, voilà, vous êtes installé correctement dans le moment et que vous kiffez le live. Moi, je pense, Michou. Petit popcorn. Je pense qu'il faut balancer l'eau. Chouchou. Moi, je pense. On balance l'eau. Et le chat est d'accord. On balance l'eau. Voilà. Voilà. Il va boire, l'équipe paddle. Il va boire. Jour 18. Bon, au moins ils tombent pas malades, les autres cons. Ouais, ça va, on les contamine pas. Ils tombent pas malades. Ok, Ted a soif, Dolores ne s'est pas amélioré. Non, Ted a bu à sa soif. Ok. L'état de Dolores s'est pas amélioré, Dolores a besoin de plus de temps. Se reposer, elle a l'air à bout de force. Dolores n'a pas de force, si elle mange pas ce soir, elle ne tiendra pas jusqu'à demain. Timmy est affamé, son état, les blessures de Timmy ont envahi. L'odeur des blessures de Timmy a envahi toute la pièce. Putain, frère, il va rendre les autres malades. Je te jure, demain on va voir un qui est malade en mode Timmy, il a trop plu. Allez, il dégage. Attends, on a rien donné à manger ni à boire. Non, mais t'inquiète, hein, ils survivent. Hein. Ok, j'avoue. Voilà, moins... J'ai viré, comme ça. Comme ça, il pue. Il dégage, il pue plus. J'ai pas envie qu'il touche les autres. Il y a une mouche. Oh, ça m'énerve. Elle fout quoi, elle? C'est à cause de Timmy. Oh, mais, non, mais Timmy, mais gros, faut l'enculer, lui. Faut pas l'emmener dans le bunker, lui. Faut pas l'emmener. Chaque fois que je l'emmène, il fait de la merde. Putain. Gros, il va nous faire perdre. J'ai pas d'autre medical kit. Medical. Putain, gros, casse les couilles, Timmy. Pourquoi tu m'as connu? Je me change. Ah, ok. Gros, fuyons. Mary Jane est affamée, faut lui donner à manger. Ok, Mary Jane, elle mange. Ted, ça va. Putain. Dolores, faut qu'elle graille. Et je crois qu'il faut qu'elle boit. Oh là 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 là. Pourquoi il ramène des mouches, ce cafard? Ça va. Putain, j'en peux plus de lui! Faut qu'il meure là-haut! Faut qu'il meure! Hier, pendant la session de Rebu, nous avons découvert que Mary-Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement. Mais elle a 40 ans, elle sait pas écrire! Non, mais c'est qui qu'on a pris dans le bunker? Non, c'est Mary-Jane. Elle a quel âge? Elle a. Je sais pas, elle a quel âge à ton avis? Elle a 40 ans, frérot! Elle a 40 ans! Elle insiste pour que Mary-Jane bénéficie d'une éducation, on l'éduque. Ça me sert à quoi de l'éduquer? Moi je perds du temps pour éduquer. Ma mère, que la dernière fois que j'ai fait ça, elle a réparé le masque à gaz. Éduque-la. On va l'éduquer. Oui, éduque-la. Attends. Elle va créer des médicaments. Attends, faut que Timmy ramène un medical kit. S'il ramène un medical kit, c'est incroyable. Le chat, mettez tous Timmy, je t'aime. Et ça va appeler les astres. Timmy va revenir, il va me ramener un medical kit. Tu verras, c'est sûr. T'as raison. Je suce Timmy. Faut que vous sucez Timmy, frère. Ça lui enlèvera sa maladie. Ok. Vas-y, let's go. On fait merci Gaël pour ton sub, Narchetan. Merci mon ref. On va éduquer Mary Jane en même temps. Merci beaucoup Gaël. On est jour 20. Jane. On tient bien. Oh, le kit. Oh, Mary Jane. Oh mais putain, faut que je le suce. C'est Timmy. Non, ah non, Mary Jane, frère. Elle a réparé. Mais comment elle a réparé? Mais parce qu'on l'a éduqué, frère. Mais en quelle année tu? Mais frérot, tu m'éduques. Je sais même pas construire un Lego. Elle a construit un kit. Avec Mary-Jane, elle comprend. Non mais ça aussi, c'est aussi le destin. Parce que j'ai dit, à tout moment, j'ai parlé du kit. Non, parce que Timmy, il va être mort, gros, il va rien ramener, tu vas voir. C'est Mary-Jane, arrête de dire que c'est Timmy. Timmy, il est pété, frère. Elle a réparé le kit. Mais gros, je lui fais l'amour. Matin, midi, soir. Elle a 10 ans. 12 ans? Ah ouais. Ouais, non, là, je fais pas. Ouais, là je touche pas. Ouais, c'est trop jeune. Les barreaux de la prison, frérot, c'est le bunker. Ouais, même par principe. Ouais, par principe aussi. Hein. Ouais. Non, je touche pas. Hein. Allez.
Je touche pas avec la hache. Mais merci Marie-Jane. Merci Marie-Jane. Des bisous. Merci. Des gros bisous Marie-Jane. Enfin ouais. Petit quoi. Enfin sur la joue quoi. Ouais, pas forcément ouais, trop. Pas de bisous. Bisous distanciés. Pas partout. Ouais. 12 ans elle a. Bah, pour toi, elle a l'air quand même petite. Hein. Non, elle a 40 ans, frérot. Ça le fait. Hein, bah, ça, si elle a 40 ans, ça va. Elle a 40 ans, je pense c'est qu'elle a 12. Elle a quel âge, les gars? C'est pour un pote. Je crois pas qu'elle a 12 ans, je suis pas sûr. Hein. Elle a 14 ans. Ah. 14? Bah, c'est bon. Non. Ah, ok, non. Ok, ok. Bon. Ouais, c'est pas bon, ça passe pas. Alors, vas-y, c'est quoi? Alors, on a réparé le kit, let's go. C'est quoi le prochain truc? Merci Marao, merci Elise, gros dédicace Noé, merci mon ref. Marie-Jane est affamée, faut lui donner à manger. Ouais, on tout lui donne monde à manger. Besoin d'eau. On lui donne à manger à Marie-Jane. Mais Marie-Jane, mais c'est elle qui a réparé le kit? Attends, ah, je vais lui donner à manger. On la soigne ou pas? On la soigne? On la soigne? Est-ce qu'on la soigne maintenant? On attend peut-être un peu. Non, mais elle est malade depuis le début de la game, frérot. Non, arrête. Ça dit quoi? On n'a rien fait pour améliorer l'état de Dolores. Attends, les gars, faut la soigner à ça quel moment? Ça va en vrai. Faut la soigner à quel moment, elle? Ted, il faut qu'il mange, et Marie-Jane aussi. Donne-leur, hein. De toute façon, il va ramener de la bouffe, Ted, je pense. Ted et Marie-Jane, faut qu'ils mangent. Moi, je pense, faut pas prendre de risques, faut la soigner, l'autre. Ah ouais? Non. Parce qu'elle est malade. Non, j'ai une idée de fou. Timmy revient, on le soigne. Attends, tu veux. Oh non, tu veux soigner le bras cassé. Tu veux soigner le bras cassé. Mais Timmy, il est malade et blessé. Ça dépend ce qu'il me ramènera. Oh, ok, ok. Ça... On attend le retour. Mais non, il est blessé et malade. Il ben, soigne de A à Z. Je pense que ça le soigne en entier. Et donc, c'est worse. C'est comme si on utilisait deux kits. Ah ouais, en vrai, c'est pas con. Attends, on soigne qui? La nana ou le mec? Après, moi, je crois que Dolores, c'est le plus important. Frérot, si elle a 40 ans, c'est Daron en quel âge? 80? Ouais, Bah en vrai il m'a pas l'air d'avoir 80 ans Ted. Non. Non mais frérot, 60. Elle a 15 ans on me dit. Non les gars ça marche pas. Non les gars non. On touche pas avec la hache. Bref attends. Moi t'as les gens ils me disent la nana. Ils me disent de réparer la nana. Timmy, en fait Timmy je peux pas frère. Timmy, des fois il y a des gens. Tu vois leur tête okay, ouais, tu vois il y a des gens peut-être. Ils regardent mes vidéos. T'as des gens, ils m'aiment pas parce que ma tête, ils aiment pas. Tu vois, t'as des gens bah, dans la ils vie. Sont racistes. Ouais, voilà, j'en sais rien. Mais t'as des gens. Ouais, c'est un peu ça. Bah, t'as des gens, ils aiment pas la tête des gens. Non, moi, je suis pas raciste de Timmy. Non, moi, je suis. T'es raciste. Non, bah, non, t'es un ouf. Non, c'est mon pote Timout. T'es un ouf, toi. T'es un ouf, toi. Non, non. C'est un argument de. C'est un argument de raciste. Non. Non, moi, Timout, c'est pas mon raciste, gars. Lui, c'est mon pote. Non, c'est mon gars. Non, je te dis juste, t'as des têtes. T'as de déjà mec. Mangé des carottes râpées. Oui. Ah bah c'est bon. Non c'est bon. T'as des têtes de mec dans la vie, tu l'aimes pas. Ouais c'est vrai. C'est pas ta faute. C'est vrai. Tu peux parler 10 ans avec lui, tu l'aimes pas. Moi Timmy, j'ai essayé hein. T'as un à mec mon en particulier que t'aimes pas. Hein? T'as un mec en particulier? Non, moi j'aime un peu tout le monde. Okay. J'ai le truc en mode, tu vois à l'école j'aimais tout le monde. Tout le monde. Même Amine. Tout le monde, Amine, tout. Mais à l'école j'arrivais à être un peu ami avec tout le monde, tu vois. Ouais. Même les gens qui sont un peu dans leur coin et tout, j'étais gentil avec tout le monde. Mais il y a des gens. Tu vois leur tête? Bah par exemple, il y en a, ils voient ta tête, ils t'aiment pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, Timmy va te faire foutre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que on vire Timmy? Ouais, je suis d'accord. Il y a des gens, ils ont des têtes à claque. Est-ce qu'on le tège? Bon, moi, je suis chaud de... En fait, il a une tête. En fait, à la limite, s'il fait des efforts, je veux bien l'aider. Mais donc, frérot, il se coupe la main avec un grillage. On va voir ce qu'il ramène. On attend. Il se coupe la main avec un grillage, tu veux aller où? Parce que là, c'est un signe du destin, Medikit. Et moi, j'ai peur, elle cannelle. Mais non, mon frère, t'inquiète, ça prend plus de temps, je te jure. Moi, le chat est d'accord avec moi. Ils veulent pas de Timmy. Pas de Timmy dans l'équipe. Si tu veux, tu donnes un kit, hein. Moi, je pense qu'on peut attendre. On attend? Moi, je pense qu'on attend. Ok. Dites-moi. Oh putain. Oh, le... On va jamais le prendre. Attends, ils veulent remplacer les ampoules. Par un médikit? Quand mais... on vit dans un abri, il est difficile de garder la notion du temps. Et ça nuit à nos cycles de sommeil. Ah, ils veulent prendre des somnifères. Non, mais frère, c'est mort. Il est fou. Attends, il arrive pas à dormir parce qu'il y a la lumière là? Ouais. Non, mais là, ça c'est du luxe. Tu vois, là c'est du luxe. Là, je vais tous les envoyer en expédition. C'est pas possible. Il faut. Allez. Ah, attendez pas, Timmy va ramener un kit. Ils ont peut-être raison. Allez hop, je lui donne. Imagine s'il ramène un kit. S'il ramène un kit, alors là. Non, on le soigne. Alors je le soigne. Voilà. Je le négocie. Je soigne, McDo, frites, tout. Timmy veut rester en vie. Bah il ramène un kit. Voilà.
la carte de loyers. Timmy veut rester en vie, il ramène son kit. Voilà. Allez hop, ça dégage. Et tout ça, tu vas te faire foutre, c'est du luxe. Hein. Voilà. Tu dors sur le plancher, bah, lumière regarde, ou pas lumière, plus. Tu dors. Il gribouille, on veut plus. Allez, je l'ai utilisé. C'est des malades, ils ont cru qu'on était au palace à Dubaï. Imagine, du coup, ils deviennent tous malades. Bon, bah, non, là par contre, franchement, je vais en enclencher un, ça va pas le faire. Attends, parce que du coup, ils sont. Pourquoi cette boule? Pourquoi cette boule? Pourquoi elle fait le bruit d'un poule? Rien. Folie. Quoi? Elle est devenue folle, frère. Non mais frère, mais non mais non mais c'est quoi? Non mais pourquoi elle fait la boule? Non mais non mais non mais toi tu peux pas. Je donne 10 kits. Je leur donne les ressources de toute une vie et elle devient une boule. Je me la tue matin, midi, soir. Elle fait la boule. Ah tant pis hein. Elle va devenir quoi elle? Faut un kit pour la soigner? Au moins mec, on a le papa, la maman et une poule. Non, ça bat les couilles, elle ira dehors. Elle confondra, les mecs vont pas la tuer, elle va faire code-code, c'est bon, ça passe. C'est bon les gars, c'est bénef, elle peut sortir en même temps comme ça. Bah je crois oui. Voilà, elle est folle, ça se trouve, elle se fera tirer dessus. Frère, ça se trouve, les gens vont avoir peur, elle va nous ramener de la nourriture. Par contre. Disclaimer maintenant, ce que t'as dit ça peut être très mal interprété. Ah ouais, pourquoi? Bah je pense. Parce que t'as dit elle est folle, elle se fera tirer dessus. Non mais en mode c'est une zombie quoi, les gens ils vont tirer, ils vont avoir peur. Non ouais, non, ça, y a pas de ça, voilà, y a non pas disclaimer de... les gars. Non mais parce que je sais qu'il y a des sauces qui montent très rapidement. Non mais moi les gars je suis on parle du jeu évidemment. On parle du jeu évidemment, évidemment. Non mais je pense que le chat le sait. On parle du jeu oui, évidemment. Le chat il le sait. On parle du jeu. Mais il y a forcément mais un mec par contre pourquoi elle fait la boule? Il y a forcément un mec dans le chat qui a fait. Non, non, en vrai, les gars, vous me connaissez, moi, j'ai rien contre personne. Juste là, elle, bah, c'est une poule, quoi. Du coup, frère, on l'envoie en expédition. Moi, je garde les deux en bonne santé, hein. Je te le dis. Jour 21. On a encouragé ignorer nos symptômes et avons essayé de dormir. Au bout de compte, on est encore fatigant. Pourvu que les bâillements parviennent repousser les pillards. Ça veut dire quoi? Il parle qu'en mots clés, Inox. Alors, Mary Jane a l'air fatiguée ces derniers temps. Elle n'a aucune énergie. Bon, là, faut savoir qui on sauve. Mais attends, j'ai une question. Est-ce que elle peut devenir plus folle? Oui. Elle peut mourir de folie, je crois. Elle peut canner de folie? Je sais pas, mais je crois. Le chat, non, comment on soigne? Je crois en étant folle, en fait, elle peut bouffer des soupes pendant la nuit, des trucs comme ça, genre. Ah ouais. On peut pas l'emmener dans un endroit où elle redevient normale? Non, c'est, je crois que c'est avec le temps. Je crois que le temps, genre si on l'envoie en expédition, parce ça peut elle, faire du bien. En vrai, quoi. De vrai, faut pas la niquer. Parce qu'elle est trop puissante. Ouais, elle est trop puissante. À chaque fois, mec, elle tient trop longtemps. Et elle a réparé le kit. Faut pas l'oublier. Donc, en vrai, de vrai. Putain, je sais pas ce qu'on fait. Au pire. Le chat, est-ce que vous savez comment ça se soigne? Ça se soigne tout seul? Nique-la. Non. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans, les gars. Elle a toute une vie à vivre. Le mec il a dit jette-la dehors. Non mais les gars dès que quelqu'un a un problème il dégage. Non, dès que quelqu'un il a un problème ou le teste. Non venez on la sauve. C'est trop. Oui avec le temps, Askip avec le temps ça va. Si en fait faut la secouer ouais. Et puis voilà. Je pense pas. Askip faut la faire jouer. Il y a un mec qui m'a dit ça. Ouais je pense que c'est ça. Elle se soigne en jouant avec Timmy. Elle se soigne avec le temps et toute seule. Si c'est en jouant avec Timmy, on est mal barré. Oh non, Timmy, oh non. Mais Timmy, il a même plus de bras, il peut même plus jouer. Putain. Oh non, là, on okay, est dans bon. La merde. Ted, merci, il croûton. Faut qu'il boive. Coucou les BG, y'a quoi comme programme à part ce jeu? Bah, y'a que ce jeu, frérot. Merci, frérot. Ted, il faut qu'il boive. Adèle, Inox, je te ken. Merci. Merci. Elle, faut qu'elle boive. On lui donne à boire quand ouais, même. Ouais, donne à boire, ouais. Oh merde, on a intercepté un autre message de l'armée. Ils vont survoler la zone et demandent aux survivants de laisser des balises à l'arrêt de bus le plus proche. Les balises doivent être des cartes à jouer. Ils sont formels. On ne pourra plus jouer au poker, mais on est prêt à serrer les dents si ça peut nous sauver. Gros, il faut envoyer un signal à l'armée. Le signal, c'est des jeux de cartes. Donc là, ça marche comment là? Bah là, on peut pas envoyer de signal à l'armée. Le temps qu'on n'a pas un jeu de cartes, on peut pas dire à l'armée hey, oh, on est là, aidez-nous. Mais attends, ça veut dire que c'est la seule issue du game là? C'est avoir un putain de jeu de cartes. Donc là, je vais dans un bunker. Mon issue, c'est un jeu. C'est un roi de pique. Non, là, c'est trop. Non, c'est trop. Moi, je pousse mon coup non. de gueule. Ton issue, c'est un 3 de cœur.
parce qu'on est 3 en vie, donc faut mettre un 3. 3 cœurs. Faut mettre un 3 pour dire qu'on est 3 cœurs. Magnifique. On reste soudés. Même dans la folie, faut qu'on reste soudés faut avec qu'on elle. Trouve un 3 de cœur. Faut qu'on sauve notre fille qui est folle, donc on va l'aider. Mais par contre, ça va être chaud. T'es chier, frère. Là, c'est Utile, la merde. Il est de retour. Parce que là. Oh là, non, là c'est... Bah attends, c'est normal qu'elle ait des cheveux qui poussent plus vite. Non, mais par contre, ça va vraiment devenir une poule, là. Attends, non, mais frérot, c'est... Attends, il y a deux trucs. Là, c'est une... ça devient une poule. C'est plus de la folie. Ouais, là, c'est plus de la folie. Là elle va devenir là, poule. Là, c'est réel, elle est en train de se transformer. Merci, Adèle, coucou, Lindsay. Tu te souviens de moi? Bien sûr, je me souviens. Merci, Florian, pour ton sub. Putain. Il y a un mec qui l'a dit manger, là. Non, attends, elle va faire des œufs, frérot. On se nourrit tous les jours. Laisse la poudre. Ok, attends, t'inquiète, ça va bien se passer. Attends, faut trouver une solution. Viens, on se calme. Viens, on trouve une solution. Faut un poulailler, les amis. Bon, Ted a faim, fatigué. Ok, Ted, on n'a rien à lui donner. Mary Jane est affamée, se comporte toujours bizarrement. Bah, frérot, on a remarqué. On a remarqué. C'était pas dur. Là, faut un barbecue. Pourquoi un barbecue? Faire que la poule. De le rêve, ça a besoin de plus de temps pour se le poser. Elle a l'air à bout de force. Mary Jane, elle a l'air fatiguée ces derniers temps. Je crois qu'il faut qu'elle boit et qu'elle mange Dolores. Dolores? Ouais. Dolores n'a pas de force. Si elle mange pas, elle ne tiendra pas demain. Si elle ne mange pas, elle est déshydratée. C'est elle? Non, non, c'est Dolores. C'est elle. Ah, mais elle est pas déshydratée, elle a juste soif. Il faut juste de non, la manger. Non, elle a juste faim. Elle a juste faim. Oui, elle a juste faim. A juste donc faim. C'est juste à manger à elle. Ouais. En bouffe, on est bien ou pas, les gars, dans oh, le chat? Oh putain. Merci Hervé. Il n'y a pas de moment idéal. Merci pour Adèle. S'exposer aux radiations de la surface. Mais parfois, il n'y a pas d'autre choix. Nous avons préféré sortir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons préparé une expédition. Mais à peine avons-nous mis le pied dehors, nous avons entendu une étrange créature grogner dans l'obscurité. Ça se trouve, c'est nos potes. Monstres. Mais on le sait pas, on va le tuer. Ah ouais, non, faut pas, il faut pas. Le chat, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai 600 tu es un génie. Parce que ça se trouve, non, il faisait noir. Que, moi, je pense que c'est un chien. Peut-être. Mais dans tous les cas, ça sert à rien de sortir. À quoi sert de sortir avec le flingue? Ouais, ça sert c'est à quoi notre risque, là? Non, en fait, là, on est déjà dehors. Ils ont voulu préparer une expédition, c'est con. Ah, on est dehors, là? Oui, regarde. Pour s'exposer aux radiations de la surface. Préparé sortir... Non, ils se préparent, là. Nous avons préféré sortir maintenant. Ah, ok. Non, mais viens, on fait rien, on fait ah, rien. Mais ça se trouve, il va se faire grailler par un monstre. Tu crois? Gros, le flingue, c'est radical, hein. Moi, on me dit, t'as raison. Parce qu'imagine, c'est notre pote, on le flingue. Bah, on sera. Il y a un mec qui dit, non, c'est un crocodile. Bon, les gars, on joue pas à Animal Crossing, là. Non, mais les gars, à un moment. FKO, ils me disent tous les animaux, les gars. On a une poule, un coco, un chien, un chat. Ça se trouve, c'est Timmy, hein. C'est devenu un monstre. C'est Timmy. Putain, Timmy, il grogne. 300 de cuit. C'est quoi, on le tue pas? Non, mais c'est trop risqué de le tuer. S'il te plaît. Jour 23. Je pense qu'ils sont encore tous en vie. C'est bon, ils sont. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais des zombies, frère. Elle aussi, elle devient tarée! Non, mais gros, non, mais c'est non. Mais putain. Oh là là, folie. Je vous avais dit que personne n'a fini le jeu. T'inquiète, on va y arriver, Berkan. Merci, Hervé. T'as pas une bouée parce que je me suis noyé. Noyé de ston. Merci, Ariane. Je croyais que tu voulais non. Faire une. Non, en fait, elle avait un raccourci. Noyé de danton. Elle a mis des yeux. Regarde. Ah. Merci Ariane, envoie ton snap. Alors les gars, t'as on continue. Donc on a deux folles. On a deux folles. Donc on a une poule et un zombie. Bon, j'aurais préféré qu'elle un se transforme t-rex. Vraiment ah, en non, zombie. C'est un T-Rex. C'est ah, un T-Rex, ouais. C'est un T-Rex. Oh, c'est bon, frère. C'est Jurassic Park, frère. Bah voilà. Hein. On aurait peut-être dû tuer le. Et l'ampoule, elle va bientôt sauter, je la sens là. Tu penses que c'est à cause du truc? Moi, c'est sûr. Il était trop risqué d'affronter les horreurs qui se tapissaient dans le noir. On n'a pas tenté le diable, on a fermé la porte. La le bête est partie. Matin, c'était une bête. Donc on a bien fait. Mary Jane est affamée. Mais pourquoi, pourquoi ils deviennent fous? Mais c'est à cause du. Mais on a un jeu de dames et tout. Dolores, ah, c'est parce qu'elle n'arrive pas à dormir. C'est parce qu'on n'a pas utilisé le kit. Ah ouais, c'est pour ça. Quand ils nous proposaient ouais. Des idées. Ouais, c'est juste pour ça. Mais c'est soit ça, soit on avait une qui canne. Ouais, j'avoue, on a bien fait.
Mais le truc c'est qu'ils perdent la tête. Mais là il y en a deux là qui vont canner, non? Est-ce que les deux peuvent canner ou les deux vont rester le chat? Les deux cannent ou les deux restent? Je pense qu'ils peuvent mourir, hein. Bon, Timmy fait quoi? Timmy il fait quoi? Il fait quoi là-haut? Il fait une partie de paintball. Ça fait 20 jours il est là-haut. Faut nourrir qui là? Elle manque de sommeil. Dolores se plaint pas de boire. Elle va pas. Je crois juste Non, y'a rien. Regarde Mary Jane. Y'a rien. Je crois elle est juste déshydratée, Mary Jane. Affamée. Non, déshydratée aussi. Non, attends, Dolores, t'es écrit déshydraté, hein. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Non. Si, si. Ah ouais. Ah, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Juste Dolores. Nous faisons un sang d'angle pour Dolores. Elle a l'air tourmentée ces derniers temps. Elle a toujours été calme dans un bronze. Que lui arrive-t-il? Nous avons presque peur d'être assis dans la même pièce qu'elle. Si elle avait une poêle à frire sous la main, elle nous balancerait probablement... Taras, gros. Elle nous balancerait à la figure. Ça peut être pratique contre des brigands, mais pour le moment, on devrait essayer de la raisonner. Elle veut faire quoi, là, elle? Lis, s'il te plaît. Ça me fait trop rire. Nous avons presque peur d'être assis dans la même pièce qu'elle. Ils ont peur de qui? Dolores? Ouais. Bah, normal, c'est une poule. C'est ah non, c'est l'autre. C'est elle a l'air tourmentée. Bah, viens, on essaye de la raisonner, en vrai. Ça peut peut-être marcher. Bah oui, on lui met un coup dans la tête, elle va se réveiller. C'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça? Je crois que ça, c'est que dans les dessins animés. Ah. Ils sont amoureux les deux là? Ted et Dolores? Ouais. Bah oui. Pourquoi ils font pas l'amour? Ça va la réveiller. Ils vont faire l'amour, ils vont se mettre bien, elle sera plus folle. Ouais, mais il y a peut-être pas envie de faire l'amour. Il y a pas l'option Ken là? Il a peut-être pas envie de faire l'amour à un T-Rex. Je veux faire l'amour, hein. C'est Jurassic Park le machin. Ok, c'est bon, on va voir ce qui va se passer. Ça se trouve, elle veut juste Ken, hein. Peut-être, hein. Oh non, il est blessé, frère. Elle l'a mordu, c'est sûr. Oh, elle l'a mordu. Elle s'est vraiment pris pour un T-Rex, gros. Je vais pas tarder à m'énerver, là. Mais Timmy, il est où? Non, moi, ma patience, elle a des limites. T'as un trou du cul depuis 4 jours. Il fait une partie de paintball en haut. T'en as une autre, elle fait la poule. T'en as une autre, elle s'est crue à Jurassic Park. L'autre, il fait rien. Il se fait mordre. Quelques têtes qui est normal. Oh, vas-y, frère. Il est même plus normal. Il est malade maintenant. Non, il s'est fait mordre, quoi. Mais c'est pas de sa faute. Mais faut un medikit pour lui maintenant. Bah ouais. Il a une jambe dans le plâtre. Gros, elle a pas que mordu là. C'est un vampire le machin. Non mais il faut pas faire l'amour avec Dolores. Si j'ai raison et que tu termines pas ce jeu ce soir, tu t'excuses. Berkan, on va finir ce jeu ce soir. Bon, j'y crois moyen. Ouais, non, reste... Merci mon gars. Putain de merde. Merci beaucoup Fire, t'inquiète. Je compte sur Watt. Bah vas-y, ouvre. Hein. Bon les gars, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Il fait quoi, Timmy? Il fait quoi? Mazette qui aurait cru que Dolores avait un tel uppercut. Elle fait de la boxe maintenant. Non mais là c'est trop. Non, non là c'est trop. Là c'est vraiment trop. Là c'est... Ça y est. Si je reprends Timmy dans un fucking bunker, je suis la plus grosse des salopes. Je suis la plus grosse des salopes de Paris. Plus jamais il m'accompagne. Plus jamais je reprends Timmy. Mary Jane, c'est un parchemin. Faut me le dire, c'est un parchemin. Elle a trop de problèmes, elle. On a mis trop, il n'y a qu'une page pour Mary Jane. Ah, j'en ai marre. A vraiment très soif. Elle n'arrive plus à dormir. Bon, ça, on avait compris. Mais je crois que c'est pour ça, en fait. Ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Ouais, pour son sommeil. Oui, mais c'est bon. C'est sa folie. C'est ça qui la rend folle. Ah, tu crois? C'est bon, elle va soigner. Ça va être soigné. Ok, ok. Dolores, elle est épuisée. Ted, il est blessé, putain. Ted, je crois qu'il a faim. Ted est blessé. Elle a l'air très faible s'il mange pas aujourd'hui. Et demain, faut qu'il boit. Et puis, mais en vrai, blessé, ça tient longtemps, je pense. Non, je crois que c'est ce qui tient le moins longtemps. Je crois que blessé, tu peux être blessé genre 6 jours, c'est tout. Ah, blessé, tu tiens le moins longtemps? Ouais. Putain. Blessé, c'est abusé. En vrai, on est tranquille, là. On a rien à donner à d'autres. Ouais. Oh, aujourd'hui, un jeune homme est venu frapper à la porte pour nous demander à l'aide. Il nous a dit qu'il nous observait depuis longtemps et qu'il pensait qu'on était des gens honnêtes. Il aurait préféré nous rencontrer dans d'autres circonstances et nous demande de l'aider à retrouver sa sœur jumelle. Disparu après être parti. Là, le problème, c'est qu'il y en a un qui peut tomber malade. C'est gentil, Rex, frère. Viens, on envoie la poule. Viens, on envoie la poule. Vas-y, envoie. Non. Parce que la poule est pas blessée. On envoie elle.
Elle est pas blessée non plus. Si elle est blessée. Bah non. Ah non. Elle est juste folle. Sinon, on voit Ted. Comme ça, Ted, à la limite, s'il tombe malade, il sera blessé et malade, ouais. Un kit et on le soigne en chat. Est-ce que vous êtes d'accord? T'as raison, option Ted. T'as raison. Ted. Pour moi, faut envoyer Ted. Non, c'est toi qui as raison. Ouais, je m'en fous. On a tous les deux raison. Pour nous, faut envoyer Ted. On envoie Ted. Merci, Tim. Vas-y, t'inquiète. Mais je suis sérieux, hein, Tim. Je joue strat. Hein. Vous pouvez les rendre moins folles en cliquant sur le ventilateur. Merci, le pêcheur. Attends, je peux cliquer sur le ventilateur? Oh, ça l'a arrêté. Et ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Mais c'était ça que le medikit il rebouchait. À chaque fois que le ventilo il bouge, faut l'arrêter. Oh. T'es sûr faut pas qu'il bouge à l'inverse? Je crois qu'il était bloqué, il bougeait plus. Je crois qu'il faut qu'il bouge. Hein. Les gars, faut qu'il bouge ou qu'il bouge pas le ventilo? Attends, on a découvert un truc. Tu savais qu'on pouvait toucher non. ça? Mais même la carte, regarde. Ouais, je savais pas. Et je crois qu'à Skip, ici, c'est l'hôpital. Et nous, on est où? J'en sais rien du tout. Merci beaucoup, Tim. Merci, mon frère. Oui, faut que le ventilo, il bouge. Ça, il faut que ça bouge. Non, faut qu'il bouge pas. Il ah bougeait tout à l'heure. Bah, vas-y, hein. Ok, prochaine fois que la mouche elle passe sur l'écran, j'appuie dessus, elle va l'éclater, ça va l'éclater. Imagine. Attends, reclique sur le ventilo. Ah bah non, tout le monde me dit bouge. Bah oui, faut que ça bouge. Parce que si ça bouge pas, ça fait plus passer l'air et ils vont mourir. Ouais, logiquement, ouais. C'est le bruit du ventilo qui les empêche de dormir. Mais oui, c'est quand c'était bloqué. Tu sais, quand c'était bloqué. Je vais la tuer, Salope, elle va trop vite. Tu t'es excité. La lumière. Tu vas la casser, tu vas la casser. Elle va dormir. Le ventilo, la mouche. Attends, parce qu'on peut toucher à ça. C'est utile ou pas? Pour les arrêter d'être malades? Je pense que ça sert à rien en vrai. Je pense que c'est pour décorer. Ils vont le bloquer. Quand ils bougent, ça les rend fous. Les lumières éteintes. On peut pas les éteindre. Je peux juste appuyer. Mais là, elle est en train de faire une discothèque. Ouais. Je sais pas, ça sert à rien. Attends, la mouche, elle arrive. Mais je pense pas que tu peux la fumer. Je l'ai entendu. Si, il faut que tu la fumes. Elle arrive. Putain, c'est impossible. Je crois pas qu'on peut l'éclater. Lumière qui s'éteint et s'allume. Les gars, appuyez sur la mouche, c'est un easter egg. Non, mais en fait, ça nous troll. On peut pas appuyer sur la mouche. Tu crois? On peut pas appuyer sur la mouche. Mec, je vais la fumer, la bique, je vais la fumer. Les lumières empêchent de dormir. Éteins les lumières. Mais comment on éteint? Il y a un interrupteur. Il y a un interrupteur. C'est pour dormir. Pour qu'elle dorme. Faut de la paille pour que Mary Jane dorme. Faut éteindre les lumières pour qu'elle dorme. Ils ont dit ça. Lumière éteint, il ken et ça va mieux. Éteins la lumière. Ils vont mourir deux fois plus vite s'il est blessé et malade. Si tu peux. Bon, vas-y, Michou, viens, on continue alors. Attends, j'éteins la mouche. Mais c'est impossible, En fait, le truc, c'est que tu crois qu'il fait du bruit. Et c'est le bruit. En fait, gros, je t'explique. On est jour combien? J'ai trouvé, c'est bon. 24. Regarde, j'ai trouvé. C'est ce que tu fais? Jour 24, il n'y a plus de radioactivité, ils l'ont dit. C'est ça qui empêche de dormir. Ça fait du bruit. Et imagine tous les jours. Ouais, j'avoue. Et là, elle va dormir, elle va plus être folle. Bon, je le rappellerai après. Je pense que c'est ça. Le chat, j'ai dit un truc de ouf ou pas? Je pense que c'est ça. Qui part en expédition? Ted. Bah Ted. On envoie Ted à la porte. Je crois que j'ai raison. Le truc du ventilo, je crois que j'ai raison. Non mais tu l'as enlevé. Allez Ted, va aider le frérot qui retrouve sa soeur jumelle. Si elle devient plus folle, je te suce, je me suce. Merci Rana, je sais pas mon ref. Ça a rien changé du tout. Bon, je le réactive alors. Ça a rien changé. Non mais je pense que c'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Tu crois? Ouais, c'est sur le long terme. Jeune homme a été accompagné d'un groupe de survivants. En tout cas, Ted, il est pas tombé malade. Tous sympathiques mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur et effronté les pillards pour sortir de là. Les jumeaux étaient contents d'être enfin réunis mais choqués d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Le monde est petit et il était reconnaissant et ont promis de nous recontacter bientôt. On s'est fait des potes. Ça c'est cool. Ça c'est bien. Un maximum de GG dans le chat parce qu'on a des potes. Peut-on faire quelque chose? Il y a la mouche. On pourra pas la voir. Peut-on faire quelque chose pour soigner les blessures de Ted? On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Putain. Faut qu'il boive. Mary Jane n'est pas stable. On dirait qu'elle a perdu sa capacité à raisonner.
Marie-Jeanne a l'air fatiguée ces derniers temps, elle n'a aucune énergie. Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir. Tout à l'heure, ça disait qu'elle était fatiguée, mais que ça allait bientôt se régler. Alors que depuis que tu l'as désactivée, ils disent elle n'a aucune énergie. C'est, moi, je pense que la ventilation, ça faisait passer l'air. C'est la nuit de sommeil, c'est ça qui nous bloque. Okay. En fait, la nuit de sommeil, je sais pas comment régler le truc. Mais en fait, je pense qu'on peut rien faire en je vrai. Crois on peut rien faire. Une bonne nuit de sommeil, c'est ça qui soigne la meuf. Tim, il est en train de jouer à Battlefield là-haut, frère. Aucun bois, aucun bois. Quel bois, mec. Elle, ça va. Faut qu'il boit. La soupe, faut pas leur donner. Regarde. Ted, non, ça va. Marie-Jane, faut lui donner à manger. Affamée. Et Dolores, ça va. Marie-Jane, c'est elle. Ouais. Oh, ça recommence, des bruits, toujours plus des bruits. Et ça vient de la tuyauterie, des murs, derrière la porte. On tu en vois, sait t'as rien, désactivé, mais il y a toujours des bruits. On devrait penser à autre chose et respirer profondément, sinon on va devenir parano. Fais-les jouer, ça peut peut-être les sauver de la folie. Si ça les sauve, je suce tous les zboobs de Paname. Ah oui? Oui. T'es prêt? Je remercie la donate. Merci beaucoup, Valentin. Non, je serai pas présent. Vous devez rouvrir aux 2 jours le ventilo. J'ai pas compris, mon ref. Dans 2 jours, je pense. Dans 2 jours? Les gars, vous êtes les boss, continuez comme ça. Merci Lucas. Challenge win égale 100 euros. Merci Max, merci beaucoup. Tu sais ce qu'on fait? Je le coupe, j'écoute 2 jours, ça fera 2 jours. Vas-y. Là, je mets le jeu et envoie. Dis-moi qui sont. Prions. Merci dis-moi à ceux qui sont sur la ligne. Oh, la porte, c'est Timmy. Pourquoi c'est mes couilles après 40 jours sans rasage? Mais il a rien ramené. Attends, tes couilles après 40 jours, ça fait ça. Attends frérot, pourquoi il est aussi touffu là? Attends frérot. Attends, tes couilles après 40 jours, ça fait ça? Ah ouais, là c'est... Non, un peu plus quand même. Ok. Ouais, moi c'est plus 65. Il a ramené quoi ce con? Alors lui, je pense faut l'enculer. Alors lui, faut pas y aller par 4 chemins. J'ai rien ramené. Faut que je le tège. Ah, le masque! Mais attends, mais dis pas, il a ramené le masque! Non mais c'est bien, mais ça ne sert presque plus à rien. Il commence à y avoir moins de radiation. En fait, il sert à rien. Ce mec sert à rien, en fait. Une soupe. Oh, une soupe, si. En vrai. C'est tout. Pue la merde. La merde. Il est parti. Mais il pue la merde. Il est parti 40 jours pour ramener ça. 40 jours, frérot. Il nous a fait le triathlon. Et il ramène ça. Il a fait le triathlon. Et il me ramène ça. Si on arrive à traiter les blessures de Ted, elles laisseront de vilaines cicatrices. La tête, ça commence à devenir sérieux. Ouais, mais Ted, gros, je vais te donner quoi? Une soupe, ça va te réparer. J'ai rien. On n'a pas de kit. Il a ramené des balles. Quoi? Ah non. Non, les balles. Déjà les balles. Le masque et une soupe. Une masque et une soupe. Et on lui donne rien, Timmy. Marie-Jeanne. Ah! Elle n'est plus la fille heureuse et épanouie, putain. Bah oui, elle est devenue folle. Fait la foule. La poule. C'est les nuits de sommeil, en fait, le problème. Mmh. Si on ne traite pas Timmy maintenant, son état va empirer. Ouais, Timmy, c'est bon. C'est ouais, bon. Moi, je souhaite personne, hein. Démerdez-vous. Il n'y a que Ted qui peut partir en expédition, frère. Je l'attente. On l'attente? On est obligé? On l'envoie avec le masque, en vrai. On l'envoie avec le masque. En vrai, Timmy, la carie. Lors de notre dernière expédition, nous avons appris qu'un véhicule... Oh, le véhicule juste en bas de la rue. Il a l'air spécial. Mais on s'est jamais approché assez pour près d'en apercevoir. Nous sommes presque sûrs que ce n'est pas... Un piège des pierres. Nous devons envoyer quelqu'un pour vérifier. On est en ultra hardcore. On envoie Timmy. On est en ultra hardcore. On envoie Timmy. On envoie Timmy. On envoie Timmy. En vrai, il y a une voiture. Si la voiture, les gars, c'est une défunt ou pas le chat? Il y a le 21, il y a. C'est Dolorex. Il y a un mec. Dolorex. Ah les bâtards. Bien, pas mal ça. Pas mal. J'aime bien. Je note bien. Ok. Est-ce qu'on a eu des nouvelles sur la voiture? Nous avons fait une découverte choquante. C'est un camion de glace crasseux. Il était un peu brûlé sur le bord, il lui manque des roues ainsi que d'autres pièces essentielles, mais les sièges ont l'air plutôt confortables. Ne serait-ce pas merveilleux de laisser cette. T'as une tache noire? Je crois que c'est un dessin. C'est une fin. C'est une défunt. Faut tu trouver sais les que moi sur ça, j'ai un tank. Ah, c'est la première fois que tu vois une voiture? Ouais, j'ai jamais eu ça moi. Moi j'ai un tank. Et alors ça, c'est une défunt ça? Je pense. C'est sûr, frère, ils auraient pas développé tout ça. Les blessures de tête sont répugnantes. Oh, mec, tête, il va craser, frère.
Oh, le parchemin, frérot. C'est une épreuve de Pékin Express, mon machin. Elle a plus... Faut qu'elle mange. Qui doit manger? Dolores. Ok. Dolores, c'est tout? Bah, Timmy aussi, hein, mais bon. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Frère, aujourd'hui, j'ai rien, il a rien ramené. Timmy? Timmy, quoi? Ok. Non, c'est Dolores qui doit manger, pas Mary Jane. Oh putain. Masque. Ouais. Attends, attends. H. Non. Sur la carte. Là. Tu peux mettre où il va? Apparemment, tous les abonnés m'ont dit si tu mets une croix sur la carte, ça marche. Et là, c'est l'hôpital. Donc oh. je sais pas encore si ça marche. Ah mais on a plein d'items. Après faut peut-être l'envoyer avec la carte aussi. Ah. Tu préfères l'envoyer avec la carte? Non, si on l'envoie masque. À la carte, il va à l'hôpital ou pas? Le chat, si on l'envoie à la carte, il envoie, il va à l'hôpital ou pas? Le chat me dit que oui, mais je sais pas si c'est vrai. Faut qu'on réactive le ventilo, attends. Regarde, ils disent oui. Attends, si ton move de la carte, on l'envoie, il nous ramène un kit. Il s'auto-soigne. Ce serait incroyable. Mais est-ce que les radiations sont barrées là? C'est ça le problème. Un peu, mais peut-être pas assez. On l'attente. De toute façon, qui t'entraîne à rien, on est vraiment hardcore. C'est parti. Priez pour nous, le chat. C'est la logique en vrai. Pourquoi elle a de la merde sur son t-shirt là? Non, mais c'est trop. L'état de notre bunker, poteau. L'état du bunker, frérot, c'est... Ah, frérot, c'est... Il y a une odeur. Là, je sens l'odeur, là. Là, c'est plus... Le live a une odeur. Équipement. Marie affamée. Attends, mais je suis en train de rêver. Où le bunker, il y a des fissures partout. Ouais. Me dis pas qu'il va y avoir un séisme. Mais c'est normal qu'il y a des fissures partout. Il y a toujours des fissures partout, non? T'es sûr? Les gars, c'est normal ou pas? Je sens qu'il va y avoir un séisme. Il n'y a pas de temps à perdre. Faut qu'il s'occupe des blessures jumelles. Je pense que là, on a rien à faire. Est-ce qu'ils ont soif? Ouais. Putain. En vrai, eux, ils vont pas canner, hein. Y a pas de kit, donc ils vont ouais, pas ouais, canner. Ouais, ouais, mais ils sont juste fous. Ils peuvent. Non, attends. Parce que des fois, la folie, ça se transforme. Non, c'est encore folie. Allez. Ah, là encore. Putain, j'ai cru aussi. Mais des fois, y a plus écrit folie et y a écrit genre un autre truc. Et okay. Ça veut dire que c'est la merde. C'est fini, quoi. Dolores va mieux. Ils me disent que Dolores va mieux à ce qu'il peut. Non, elle est encore folle. Elle est juste plus fatiguée. Ah, mais elle s'est redressée. Elle a le dos droit. Elle est juste plus fatiguée. Ah. Ok. Ouf. Oh, ça m'a retiré. Timmy s'est souvenu que c'était son anniversaire aujourd'hui. On devrait lui offrir quelque chose ou faire un gâteau ou deux pour le gâteau. Ça sera. Alors, je vais parler aux explications. Frérot, t'as à moitié canné. T'as cru que je vais fêter ton anniversaire? Frérot, canne. Non, viens, on lui offre un petit jeu d'échecs. Ou le livre. Peut-être le livre, il va le lire et il va apprendre à refaire un kit. J'ai entendu. De toute façon, c'est son, normalement. S'il mange mon livre, s'il le mange, il serait capable. Hein. Je l'envoie au casse-pipe. Ok. Pourquoi il a toussé là? Il a essayé de manger le livre, il a cané. Qu'est-ce qu'il a? Il se met sur le debout sur la table, frérot. Elle a cru ses chaises musicales. Non, mais là, j'en peux plus. Là, c'est le pire bunker de ma vie. J'ai jamais eu un bunker comme ça. Oh non. Plus jamais je joue ce mec. Regarde le mur. Regarde le mur. Regarde le mur. Quoi? Regarde le mur. Quoi? Regarde le mur. Mais quoi? Il a pris la carte en enfer. Mais non, on l'a donné à Ted. Ah putain, j'ai. Ah, j'ai cru qu'il était parti avec la carte. Bon allez, je prends la carte, je me casse là-haut. Ah putain. Bon. De toute façon, il fallait bien qu'il canne, ça fera un peu de la bouffe en moins. En vrai. T'es une casse. Il nous reste une bouteille d'eau, hein. Il a intérêt de ramener des trucs l'autre. Après cet apocalypse, décide de s'intimider deviendra un scout digne de ce nom. Mais le manuel de plusieurs. Il s'amuse comme un fou. Attends, ah, il est monté là-haut. Et une arme de destruction massive contre les araignées entre ses mains. Mais il avait des araignées dans ses mains, frère. Hein? Mais il est où, Timmy, là? Il est cané ou quoi? Je crois qu'il est mort. Les blessures de Timmy se sont aggravées. Derrière lui, il a laissé un mot traitant ses parents d'irresponsables et leur promettant de monter une armée de créatures radioactives pour se manger.
Oh non. Non. Il nous a Sterzor. Il... Putain, je savais qu'il fallait pas le prendre. Quoi? Et leur promettant de montrer une armée, il a laissé un mot en traitant ses parents et leur promettant de monter une armée de créatures radioactives. C'est ce que je viens de dire. Mais ça veut dire les mecs de là-haut... Ah, les mutants. Ils vont venir, c'est con. Il nous a jeté un sort, mais putain, je savais qu'il fallait pas le prendre dans le bunker, je le savais. Mec, en plus, tu sais que, tu vois qu'on a aidé les mutants, qui nous ont dit qu'ils allaient nous aider pour notre prochaine expédition. L'expédition, c'est qui est parti? C'est Timmy. Oh, c'est Timmy, putain, non, mais là j'en peux plus, plus jamais je le prends. Plus jamais je le prends, putain. Mary Jane est affamée pour lui donner à manger. Ça sert à quoi la valise, Payne? Ça sert à quoi la valise? Ça sert à emporter plus de choses. Attends, on est dans la merde là! On est dans la merde là! Oh. Quand une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. C'est un chat! C'est un chat? Bon bah non. Tu veux pas le chat? Non, je veux pas le chat. Okay. Je veux que de la chatte. Elle est chat, hein, c'est un chat. C'est juste... Ouais, c'est un chat. C'est un chat, c'est un chat. Pourquoi j'ai entendu un bruit et je le sens pas là? Il revient quand l'autre? Il fait le marathon l'autre? Non, il est parti depuis deux jours. Ouais, ça va, ça va. Ça va, c'est encore bon. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise. Il y a raison de ne pas appliquer ce principe. Le temps de brocante est bien froid. Putain, mais pourquoi il me raconte sa vie? Pourquoi il me raconte sa vie? J'en peux plus des jours 30, j'ai l'impression des jours 90, gros. C'est dur. Putain, c'est trop dur en hardcore. Mec, on est jour 30, on a plus rien. Comment c'est trop dur? Mais tu te rends pas compte quand t'avais eu Mary Jane mutante, comment c'était incroyable? Oui, c'est incroyable, c'est un coach hit. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Non, mais là, je donne un grain à personne. Sa santé mentale est fragile. Oh, je crois qu'elle est plus que folle, je crois. Non. Ah non, ça va encore. C'est bon. Pourquoi il se soigne pas? Je comprends pas, en fait. Je mets tout. En fait. Mais attends, le bunker, il reste plus que deux fous entre eux. Hein. Bon, ils peuvent pas s'arranger. Ça peut pas s'arranger. Au moins, ils rendent pas fou l'autre. Au moins, ils le rendent pas fou l'autre. S'il revient avec une piqûre, ça les calme les deux, c'est carré. Oh, ça serait incroyable. Incroyable. En plus, il est parti à l'hôpital normalement. Qui le cru? Notre chère Mary Jane tenait un journal. Elle l'avait caché dans le livre des scouts que nous gardions à l'abri. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous devons assigner un rôle à chacun de nous et lire ce journal tout haut. Mais c'est un truc de bâtard. Ils veulent lire le journal intime de Mary Jane. Non, ça alors, attente à la ça, vie ça privée. Ça se fait pas. Non, alors ça, moi je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Chacun a ses trucs privés. Non, on lit pas. Non, là on lit pas. Je suis quand même curieux de voir qu'elle met. Hein. Je sais pas, si elle dit qu'elle aime les bites de 10 cm, ça m'arrange. Ah non, la 14. Ah, la 14. Ouais. Bon, on met pas alors. Bon, on met pas. J'étais calme. Bon, on est quand même curieux. Non, frérot. Pas abusé. Allez! Allez! Reviens, Ted, s'il te plaît! C'est quoi ça? Oh! Elle est plus folle! C'est la radio! Elle est plus folle! C'est la radio! Il y a la radio qui m'appelle! J'entends la radio! C'est le bruit d'Among Us! C'est Among Us! Mais elle est plus folle! Et en plus, elle est plus folle! La game se retourne. On a bien fait de pas lire son journal intime. La tête d'homme, on a bien fait. Et bruit d'Among Us, plus elle est plus folle! Putain, ça c'est incroyable! Imagine, il y a un perso d'Among Us et on a oh Ranger. Mon dieu! Imagine, il y a un imposteur là. Attends, on va regarder. Sous la table. Mary Jane nous a été reconnaissante d'avoir respecté son intimité. Frère, on est incroyable. Let's go. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mais je peux te tourner la foison, de la nourriture, des bonbons, tout ce que tu veux. Dolores est en pleine possession de ses moyens. On ignore ce qui hante, on aimerait qu'elle aille mieux. Donner à boire Dolores. Faut qu'elle mange. Qui? Mais Dolores. C'est elle? Non, c'est elle. Elle a juste soif. On a intercepté un autre message de l'armée. Putain, mec, il nous faut. On peut pas finir le jeu en fait. C'est ça le but. Sous la table. Le temps que Ted ne ramène pas les cartes, on est mort. C'est une prise ça. Tu es en train de mettre tes doigts dans une prise. Mais pourquoi il me dit sous la table? Interrupteur sous la table. Mais les gars, ça c'est une prise. C'est une prise ça. Ouais, on peut pas, les gars. C'est pas un interrupteur. Oh, la mouche. Bon, le problème là avec la game, les gars, c'est qu'on est bloqué tant qu'on n'a pas
tasse de pique. Si lui le ramène. Ted ramène le 3 de cœur. Putain, il a pas. Oh, il est malade. En plus, il est blessé, malade. Oh la gueule. Oh la ganache. Gros, on l'a envoyé à l'hôpital, il revient malade sans kit. C'est quand même le seul con à aller à l'hôpital et revenir malade. Alors celle-là, faut la faire. Alors là, celle-là, je l'accorde. Je l'accorde. Parce qu'elle est belle, elle est belle. Moi, j'ai une théorie. Il ramène rien. Des fois, frère, j'allais chez le médecin où j'avais rien. C'était juste pour faire une analyse ou alors parce que, tu sais, j'étais blessé au pied, un truc comme ça. On est d'accord? Moi, je devenais parano. Ouais, moi aussi, ça me l'a fait. J'allais chez le médecin, j'avais rien. Je me dis, putain, si ça se trouve, le mec à côté de moi, il a la grippe, je vais revenir, j'aurai la grippe. Ouais. C'est possible. Moi, pour moi, c'est ça, hein. Chez le médecin, c'est l'endroit le plus dangereux pour être malade. Mince. Attends, mais peut-être on va savoir que c'est ça, hein. Oh! Plus une carte, ok? Tout le monde sait qu'il ne vaut pas rester exposé aux radiations trop longtemps, mais certaines créatures peuvent s'adapter à n'importe quoi. C'est le cas de ce singe. Quoi? Que nous avons croisé. Oui, bon, allez, on joue à Animal Crossing. Malgré sa piteuse apparence. Oh, il nous a donné 2 soupes. Il est revenu quelques minutes, une boîte à la main. Oh, mais c'était un gentil singe alors. C'est un gentil singe. Pendant l'expédition, le singe s'est soudainement mis à pousser des petits. Il nous a ramené une bouteille. Mais attends, le singe, mais je le suce. En fait, Ted, il est juste allé parler à un singe. Ted a le ventre. Mais attends, pourquoi Ted, il a. Ah non, il est malade de l'infection. En fait, il est pas malade de. C'est la merde. Tout le monde a besoin d'eau. Comment on soigne Dolores, les gars? Le chat, comment on soigne Dolores là? Elle devient folle. C'est avec le temps, il va falloir faire un bon choix, je pense. Ouais, je pense. On leur donne rien. De l'eau à Dolores. Ou après ça. Putain, Ted. Putain, Ted, c'est la merde. Le problème, c'est que Dolores et Ted, c'est nos deux principaux. Ouais. Et c'est eux qui vont pas bien là. Elle est comme neuve, elle. Faut virer Dolores. Tu veux envoyer Dolores en exped? Le chat, on enlève. Alors attends. Putain, mais là, si Dolores canne en exped, on a perdu. Parce que Ted va canner. Ouais. Là, si faut Dolores ramener un médic. Revient avec un kit, on a gagné. Pour moi, je vais te dire un truc honnête que je pense. Plus personne reviendra avec un kit. On a eu 2 kits en une game. C'est impossible d'en avoir 3, je pense. Ouais, j'avoue qu'on a de la chatte. Et au moins un jeu de cartes. Hein? Mec, je pensais pas gros, mais il nous faut juste un jeu de cartes, sa mère. On envoie qui, les gars? Oh! Autour de notre dernière, nous avons remarqué un dessin sur un vieux mur à côté. C'était une carte grossière de notre ville avec un endroit marqué de croix. Peut-être qu'il y a une note secrète de soupe si nous allons voir. Oh putain. Ouais, peut-être que c'est un piège aussi. Ça pue hein. les Au pire, on voit Ted, hein. Il est malade et blessé. Ouais, vas-y. En vrai, il peut rien lui arriver de pire. En vrai, il peut rien lui arriver de pire. En vrai, ça va. On envoie Ted. Il peut juste mourir, quoi. Putain, bon. Oh, l'insecticide! Oh, on l'a ramené un insecticide. On a trouvé de l'insecticide. En vrai, ça sert plus à rien, ce stade de la game, je pense. J'avoue. Si! On va le mettre sur la folle. Elle va récupérer ses idées. Ah, parce qu'elle va avoir les cheveux. Ouais. Elle va avoir les cheveux. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ted n'arrête pas de tousser. Ted est grillé. Mary Jane, faut qu'elle mange aussi. Ted et Mary Jane, faut qu'ils mangent. Et regarde s'ils sont pas déshydratés. Putain, Ted, il a trop de choses. Frérot, on va lui mettre sur les cheveux. C'est sûr, c'est le destin. On fait quoi? On l'envoie ou pas? On envoie elle. C'est la seule qui va bien. Eh, mais attends, je viens de remarquer un truc. Quoi? À chaque fois qu'on fait genre d'envoyer quelqu'un en expédition, on n'est pas obligé de l'envoyer. Sauf que quand il nous pose la question qui doit partir en expédition, il se passe rien. Non, t'es sûr? Non, c'est un hasard là, c'est un hasard. Tu crois? Ouais, c'est un hasard. Parce que sinon, on peut faire en sorte que. Mais non, parce qu'on va le voir leur donner à manger moins à chaque moins fois. Ouais, mais on va manger à chaque fois. C'est vrai. Pour moi, regarde, tu veux faire le truc safe? Tu fais ça. Voilà, je suis d'accord. Comme ça, elle tombera jamais malade. Et elle peut nous ramener des trucs. Frérot, elle ramène un as de pique. Je suce toute sa famille. Mais qu'est-ce qu'il y a sous la table là? Y a rien sous la table. Les gars, y a rien sous la table. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Je sais pas, c'est un truc pour faire des paillettes. Y a rien sous la table, les gars.
sous la table du milieu. C'est le jeu d'âme. Mais il y a pas d'interrupteur. Ah, il pense qu'il y a un interrupteur. Ouais. Ah non, les gars, il y a rien. Non, il y a rien. Bon, c'est comment? Équipement, Ted n'a pas l'air d'aller mieux, ça gravait. Ted a un pied dans la tombe, faut qu'il boit. Ok. Donc je pense que Ted est déshydraté. Ouais. Ted il va canner, frérot, hein, je te le dis. Hein. Oh, oh, entendre quelqu'un frapper à la porte est toujours un peu angoissant. Heureusement, cette fois-ci, il ne s'agit pas de marchands ambulants sanguinaires, mais des jumeaux qui sont récemment devenus nos amis. Ah, ils ont un plan, messieurs, construire un petit camp formé de quelques maisons pour leur groupe. Si nous pouvons leur donner une hache et leur travaux iront. Faut les aider, faut les aider. Go. Parce que eux, je pense qu'ils vont vraiment nous aider. On a un flingue et eux, des balles. Ils vont faire un camp énorme. Et ils vont nous inviter quand ils ont de la place. Tu penses? En plus, on a encore notre hache. Oh, on l'a encore? Ils nous l'ont rendu? Mec, c'est magnifique. Mais c'est incroyable. Les gars, est-ce que cette game, vous la sentez bien on ou peut, vous la on sentez peut être nul? Sauvé par eux. Est-ce que vous pensez on gagne la game ou on la perd? Je te jure qu'on peut être sauvé par eux. Tu penses? Ça va être chaud. Hein. Là, on en a que une en expédition, là? Je pensais qu'il y avait deux. Nous n'avons pas échappé aux écharnes, mais la mission est terminée. Nous nous sommes même plutôt amusés. C'était comme construire une niche pour un chien géant. Le groupe et leur chef ont été reconnaissants et nous ont promis de venir lorsqu'on au camp lorsque ce sera terminé. Ok. Quand et ça c'est fini. Je pense qu'ils c'est une game de fin. Ça peut être une fin, je pense. Ça peut être une fin. En mode le chat. Ça peut être une fin par ou pas des autres survivants. Regarde. Ça c'est toutes les fins disponibles. Attendez les prochaines instructions des survivants. Ah à ouais, micro. Donc c'est une fin. C'est une des fins. C'est une des fins. C'est une des fins. Donc on peut se faire sauver on par a nos ultra potes. Un corps, si on gagne, c'est incroyable. C'est incroyable. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, sérieusement elle est déshydratée. À la soif. C'est elle? Ah, juste soif. Oh, regarde. Elle est devenue dément, mec. C'est mort. Elle meurt aussi. On et a perdu. Attends, on a perdu la game, les gars. Et Ted, il est agonisant, il est plus blessé. Ouais. Bah, Ted va mourir. Agonisant dément. Bah, alors là... Le chat, faut que vous nous dites comment aider une dément. Faut qu'on le sache. Merci, Crouton. Là, pour moi, frère, pour moi, on est mort, c'est les deux plus importants, c'est perdu. Faut qu'ils kennent, gros. Faut qu'ils baisent. Ça va leur faire du bien, frère. Parce que moi, j'ai lu un truc. À Skip, on peut finir le jeu grâce au jeu. Apparemment, moi. Quand tu fais l'amour, tu ressens plus la douleur. Ouais, comment tu sais ça? Tu t'es cassé la juille avant-hier? Non, mais je merci, Louis, pour ta donate. Avec les hormones du plaisir, tu ne ressens plus la douleur. Ah, avec, ouais, ok. Si Ted et Ken, ils ressentent plus la douleur, elle devient heureuse parce que hormone du plaisir. Ouais, elle a l'air bien renseigné le poteau. Raison, ouais. Ouais, ouais. T'as l'air bien renseigné, mon ami. Tu m'apprends plein de trucs. J'écoute. Non, mais parce que regarde, peut-être que là, en fait, j'ai une blessure à la jambe. Ah, quoi. Et tu la sens plus depuis. Oh ouais, comment t'as fait? Mec, je me suis tué, mais ouais, au je suis tué. Comment t'as fait? J'ai taclé. Oh. J'ai fait un tac. Et du coup, hier, t'as Ken, du coup, tu vas mieux. On a tous compris. C'est pour ça, en fait, j'ai su. Du coup, après, je me suis renseigné, j'ai lu ça. Il est bon, hein, il est bon, le petit Mich, les gars. Bon, ça dégage. Les deux vont canner, là, frérot. On est dans la merde. On est mort. Oh non. On a compris qu'il s'agissait d'un groupe de vieilles dames qui prenaient le thé ensemble lorsque la bombe a explosé. Elles ont commencé à nous attaquer avec leurs cannes, leurs parapluies. Bon, allez. Et gros, on a tous frérot, de là. C'est fusil de chasse, je leur mets une balle dans la tête, frérot. Il leur reste 2 ans à vivre, ça va leur faire tout drôle. Mais toi, tu dis vraiment des trucs de barbe. Attends, le cadenas, on lui envoie dans la gueule. Bam. Cadenas dans la gueule. Non, mec, viens, on se défend pas en riposte. Gros, c'est des mamies, insecticides, ça suffit. On va pas utiliser le gun, frère. Eh, insecticide. Ah non. Non, l'insecticide, faut le garder pour Dolores. Non, mais je pense que c'est pas ça. Si, si. Bon, une hache. Hein. Moi, elle prend une canne, mais moi, je prends ma canne. C'est ma canne. C'est ma canne. Moi, j'aime bien l'idée du flingue. Hein. Ouais, moi aussi. Mais quand il y aura des pillards, tu vas être content d'avoir 3 balles dans le chargeur. Ah, oh, ouais, j'avoue. Ok. On a rien donné à manger, je crois. Ah merde. Fallait donner à manger. Brooke. Ah, j'avais pas vu, mais la radio elle est cassée. En plus, c'est vraiment vrai. Non, là, c'est la merde. Putain, mais quel plouc! Tu crois qu'il. Bah, mec, il a plus rien? Ah, bah, c'est bon!
Bah il est plus fou. Bah on a plus le droit, on a plus besoin de lui donner à manger. Bah trop bien. Il a muté les gars. Il a muté. Plus besoin de lui donner à manger. Mais je crois qu'il a muté. Et l'autre T-Rex là, on en fait quoi là? Putain. Mais la radio elle est vraiment cassée en plus. Enfin on est obligé de perdre là je pense. Non, peut-être nos potes ils vont faire un bunker hein. Le calme, ok. Quelques coups de hache ont suffi à éloigner les peureux, mais ils reviendront, ça ne fait aucun doute. On ferait bien de garder la hache tout aiguisée au cas où ils voudraient attaquer. Putain, bah, la hache, elle a cassé. Le cam à l'abri a été perturbé aujourd'hui. Dolores s'est brusquement levée et a insulté la radio. Oh, c'est parce qu'elle est folle. Oh, c'est parce qu'elle est folle. Putain, mais gros. En plus, là, il n'y a plus qu'une folle dans le bunker. Elle est toute seule. Mais là, elle va tout détruire. Elle est morte? Non, elle est partie en expédition. Oh putain de merde, elle va s'auto-détruire. Mec, elle a niqué la radio, putain. Un inconnu est passé dans notre abri. Une bouteille en échange d'un paquet de... Oh. Ah mais non, c'est de la merde, faut lui donner un paquet de tartes. Mais lui il a fumé des granolas. Mais il est malade. Mais il est malade. Mais c'est quoi cet échange de merde? C'est un PNJ sur Minecraft. C'est encore pire que les PNJ sur Minecraft. Non mais allez, ça dégage. Les PNJ au moins ils donnent de l'émeraude. Au moins ils donnent un truc frère. Mais frérot non, là c'est honteux. Alors là si on gagne, c'est monstrueux. Ouais, là, alors non, là si on gagne c'est monstrueux. Là moi je le dis matin, midi, soir. C'est impossible. Dolores n'a plus de force, si elle mange pas elle tiendra pas. Risque de perdre complètement la boule, fais quelque chose. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Donne lui à manger déjà. Oh putain, on était en pleine réflexion sur les alternatives à la soupe en boîte quand quelqu'un s'est mis à frapper à la porte. C'était un groupe de réfugiés, ils voulaient savoir si on avait de la nourriture, de l'eau, au moins quelques bandages. Tu lui donnes? En vrai, on a encore 3 soupes, ouais. Alors qu'elle est toute seule, on peut. Ouais. Vas-y, c'est bon. Faut se faire des potes. Ça le fait. Normalement, tu peux utiliser un téticide pour le kit médical. Merci Steve, comment ça mon ref? Cimer. Elle va mieux! Elle va mieux! C'est parce qu'elle a été gentille. Parce qu'elle a aidé quelqu'un. En fait, sur ce jeu, sur ce jeu, quand tu fais une action humaine, ils vont mieux. J'ai envie de te faire l'amour. Matin, midi, soir, time break, partout. C'est quoi time break? C'est même quand t'en peux plus, je te baisse quand même. Ah oh, putain, carrément. On fait l'amour ensemble, gros. Quand t'es épuisé, je te dis si on va y arriver, on peut le faire. Tu vas me dire, ok, vas-y, on refait une fois. Et on se la met tous les deux, gros. Et on kiffe. Et là, je kiffe. Là, je kiffe ce qui se passe, gros. Time break, frère. Ça, c'est un comeback. Ça, c'est un signe de baiser, gros. C'est un putain de comeback, gros. Je le sens trop bien. Les gars, un max de GG dans le chat. On va y arriver. La soupe a sauvé Dolores. Je vais qu'elle nous soupe toute la nuit. Let's go. Si elle mange pas ce soir, elle tiendra pas le coup jusqu'à demain. Mais elle a mangé hier, non? Hein? Bah, non. Elle vient pas de manger, elle. Non mais c'est bon, maintenant elle veut grec tous les jours, c'est bon. Vas-y, on va manger. Quoi? Bah. Oh t'es généreux. Oh, ils offrent une radio pour une hache, putain. On a plus de hache. Je t'ai dit on aurait dû prendre le fusil. Ils offrent un medikit? Ils offrent pour un jeu de... On fait comeback. Je t'aime Michon, je t'aime. Le comeback, le putain de comeback. Le fucking comeback man. Le fucking come. Tu l'as fait? Bah oui. Let's go. Ça veut dire là, on a une chance en plus. Oh le kit frère. On a eu 3 kits en une game, les gars. Après, c'est on a trop besoin de kits en vrai. Est-ce que le live vous plaît, les gars? Merci à tous ceux qui sont là, qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Est-ce que vous passez un bon moment, les BG? En tout cas, moi, je kiffe sa mère. Merci le loup pour ta donate. Le loup. Dédicace à SXPM et Kazen. Merci, mon ref. Si mère, les gars. Oh le. Gros, c'est bénéf de baiser. Ça. Le crack. Donner à boire à Dolores, c'est une priorité. Mais non, c'est non, pas non, vrai, non. Elle est pas déshydratée. Ouvrez au nom de la liberté, c'est ce qu'on a entendu ce matin. On n'avait pas que c'était un soldat du jeu, mais c'est sûrement un groupe armé jusqu'aux dents. Ceux qui se présentent ainsi n'ont pas besoin de. Pourquoi est-ce qu'on ouvre? Frérot, pour moi, faut pas ouvrir. Le problème, c'est qu'on va pas ouvrir. Faut pas ouvrir! Parce qu'on a le cadenas et le gun. Et alors? Ils vont revenir! Si on ouvre pas, ils vont revenir. Si on met le cadenas, ils vont penser qu'il y a personne. Ils reviendront plus. Parce que là, si on ouvre, ils vont nous voler le medikit. Je crois. C'est sûr, frère. C'est sûr. C'est des mecs cons. C'est sûr, c'est des mecs. Le chat, vous en pensez quoi? On leur ouvre ou on ferme? Tu penses moi, pas... moi, je suis sûr, c'est des mecs. Tu penses jamais ils peuvent faire un truc gentil, nous sauver ou quoi? Hein? Tu penses pas ils peuvent faire un truc gentil, nous sauver ou quoi? Moi, je pense que c'est des connards.
Attends, je remets le chat. Le chat, on risque quoi? C'est risqué ou pas? Moi, pour moi, c'est risqué le chat. Hein. Moi, je me dis, ça peut être nos potes. Hein. Après, non, j'avoue. Non, on a ouvert à tout le monde depuis le début de la game. Dis-toi, on a ouvert à tout le monde. Ouvre, c'est une fin. Ouvre, c'est des soldats. C'est les militaires. Faut ouvrir. J'avoue, ils ont dit ouvrez au nom de la liberté. C'est vrai ou pas? Pour moi, c'est trop risqué. On a tout bien là. En fait, on est tout bien. Le problème, c'est que je sais que si on ouvre pas, ils vont venir tous les jours nous casser les couilles. Comme te rappelles les brigands. Faut ouvrir. Sauf que s'ils ouvrent et qu'ils nous volent plein de trucs, on est dans la merde. T'as raison, faut peut-être pas ouvrir. Après, c'est du ultra hard, gros. Ouais, donc la chance, elle est pas de l'autre côté. Là, normalement, c'est du ultra hard. Faut pas ouvrir, frère. Mais y'en a me disent c'est une fin. Mais si c'est une fin, ça veut dire là on ouvre, on a gagné. Mais je t'ai dit, si ça se trouve, c'est eux. Hein. Merci Charlie, ça va mon ref? Vas-y, je te suis. On prend le risque. Oh, t'es un bâtard, tu me laisses pas le choix là. Non, mais le chat, en moyenne, tout le monde dit ouvre, donc on vous fait confiance. Les gars, on vous écoute. Moi, je suis d'option où ils vont nous voler 10 000 trucs. Attends. Ils nous ont volé! Ces fils de pute! Ils nous ont volé? Les bouteilles d'eau! Putain! Mais non, ils nous ont donné une hache! Merci! Let's go! Putain, j'ai eu peur! On a plus d'eau! Elle va boire sa pisse! On a plus d'eau. Ils nous ont donné une hache. Elle est partie faire le marathon de Paris. Elle a pas ramené une bouteille d'eau. Elle est revenue. Elle a pas ramené une bouteille d'eau. Elle a ramené encore un jeu de dames. Putain, elle a pas ramené une bouteille d'eau. Oh, fallait ramener le jeu de cartes. Elle a ramené le jeu de dames. Bon, elle a niqué le masque à gaz. C'était sûr. C'est tout? On est mort. On a plus de bouffe. Oh, putain. Ok, c'est bon. On a encore de la bouffe en fait. Donne de l'eau. Ça tombe dans la merde. Faut envoyer quelqu'un. On envoie Dolores. Ouais. Obligé, hein. Si Alka, au pire, on a un kit. On l'envoie avec la hache. Comme ça, elle a de quoi se défendre. Si elle revient malade, elle a un kit. On fait ça? Lors de notre dernière expédition, on a vu un char abandonné en plein milieu de la rue. Oh putain. Le char, on s'en rappelle. Surtout pas. Le char, il va exploser, elle va mourir. Tu crois? C'était ça la dernière fois, non? Ouais, la dernière fois, c'est ce qu'on non, a eu. Non, on l'envoie pas. Mais après, peut-être que là, ça va être des ressources. Non, on n'en voit personne. Je prends même pas le risque. Attends, j'ai une question, le chat. Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que là, c'est 50-50? Soit le char, c'est un truc de ouf, moi, soit ça pue la merde. Je suis allé et il y avait une valise dedans. Il va exploser. Pour moi, il va exploser. Pourquoi on risque ça, en fait? Ouais, c'est vrai. Moi, on l'en voit pas. Hein. Moi, je pense qu'on l'en voit pas. T'as peut-être raison. Moi, je pense qu'on n'en voit pas. Le char, on calme. En fait, c'est 50-50 le char. C'est soit il explose, soit il explose pas. Mais sauf que là, on est en ultra hard. Qu'est-ce que tu veux faire un pile ou face? Là, en fait, c'est. Tu veux faire un pile ou face ou non, pas? Non, viens, on n'en voit pas. Trop risqué. C'est risqué. C'est un pile ou face risqué. Après, dis-toi, on a plus de bouffe et plus d'eau. Ouais, mais regarde. Comme on va envoyer Dolores, on aura encore une demi-bouteille que pour elle toute seule. Ouais. Et Dolores, elle va forcément ramener de la bouffe. C'est obligé. Deux expéditions, là, elles sont obligées. Ouais. Ok, ça envoie arrête. Dolores avec une hache. Non, mais là, on n'envoie personne. C'est le... Ah, c'est le truc de timing, ok. Non, fais pas. Surtout pas. Moi, je pense. Hein. Hey, Elsa, si tu es sur le live, tu peux nous ramener un Kinder Bueno, genre? Ouais, s'il te plaît, Elsa, c'est merde. Merci, Elsa. J'espère qu'ils sont... Bon, il se casse quand, là, le cadavre? Ça fait 15 jours, il est abâché sur la table. Je veux bien un Brooke, mais... J'en ai marre. Ok. Alors, regarde ce qu'il nous dit. On a décidé de ne pas s'approcher du char. Ça se trouve, les flammes ont été détruites, il n'en vaut pas la peine. Ouais. Devient vite irascible. Marie Jane, quand il manque de sommeil. Oh putain, commence à être fatigué, ça sent mauvais. Marie Jane a affamé, faut lui donner à manger aujourd'hui. Ok. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, elle a plus soif. Marie Jane, c'est laquelle? C'est elle? Donne-lui à manger, on lui a pas donné depuis longtemps, je crois. Ouais. Est-ce qu'on lui donne à manger avant qu'elle parte? Non, elle pourra pas mourir de faim, on lui a donné à la game d'avant, frère. Ouais, j'avoue.
La Dolores Mélis H. Avec la H. On est d'accord. Ouais. Voilà, en voilà. Putain, là, faut croiser les doigts. Pour le chat, priez pour nous. Les gars, priez pour Dolores. S'il mettez vous plaît. Des comment ça s'appelle, les trucs à quatre feuilles là. Il y a la maladie dans les Kinder. Oh merde, j'avoue, il y a la maladie dans les Kinder. La salmonelle. Ouais. Salmonelle. Salmonelle. On aurait pas dû demander les Kinder à Elsa, on a fait le mauvais jour. Des madeleines. Elsa, ramène des madeleines. Et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau. Merci. Merci Elsa. Le masque à gaz sert plus à rien, je viens de le voir là. Oui, il est cassé. Ouais, il est cassé. Prends les jours 42, il y a moins de radiation. Marie devient irascible et manque de sommeil. Alors, le chat, qu'est-ce que c'est exactement ce manque de sommeil? Est-ce que là, faut rien faire ou faut faire un truc? Marie-Jeanne n'arrête pas de s'évanouir, il faut trouver quelque chose. Ouais, j'avoue, est-ce qu'il faut faire un truc en vrai? À boire. Je crois qu'il faut qu'elle boit. Je crois qu'elle est déshydratée. Putain, là, il n'y a plus qu'une demi-bouteille. Dolores, c'est là. L'apocalypse serait porteuse de calme et de paix puisqu'il n'y aurait plus grand monde pour faire la guerre et pourtant aujourd'hui un homme bizarre voulait échanger un jeton haut. Un jeton haut, c'est quoi ça? Ouais, dégage. Il nous veut une bouteille d'eau. Mais c'est le mendiant qui nous avait fait gagner la dernière fois. On peut pas. Non, aujourd'hui... le mendiant qui nous avait fait gagner, il nous avait donné un caillou gratuitement. Et là, il voulait un gratos. Ah ouais, bon, vas-y, va te faire foutre. On peut avoir un caillou gratos. Ouais. 43. Il y a aucun adulte à perdu. Oh, j'avoue, j'ai oublié. Quoi? Si Dolores elle meurt. Ça veut dire qu'il n'y a plus Dolores, putain, on a perdu. Mais elle peut pas mourir, elle a la hache, frérot. Bah, elle peut mourir. Elle peut pas canner, elle a la hache. Elle peut mourir. Mais si elle canne. Bah, c'est, on pouvait rien faire. Si elle canne, c'est qu'on pouvait rien faire, de toute façon. On aurait dû lui donner le flingue, on est trop cons. On était désolé de dire qu'on n'avait pas. Il nous a remercié, puis a repris la route. Bon, il a quand même dit merci, donc ça, c'est un bon. Marie-Jeanne est toujours épuisée. Elle aura rien, hein, faut pas abuser. Oh putain. Un des placards de l'abri était un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour le mettre ailleurs. À notre grande surprise, on a découvert une porte secrète. En vrai, on a le flingue, autant y aller. Ouais. On a bien fait de pas donner le flingue à Dolores. Attends, il peut rien se passer? Est-ce que peut y avoir des araignées qui arrivent d'un coup? Au pire, on a le kit. Non, et au pire, on a le désinfectant. Ah oui, on a l'insecticide. Allez, ça dégage, on l'attente. Et au pire, non. Il va trouver au une boîte de conserve. Marie-Jeanne, elle reviendra vite. Il va trouver à manger, 100%. Regarde. Oh, il y a deux bouteilles d'eau. Putain, mais oh, mais là, mais toi, faut que je te fasse l'amour. Let's go! Bien ouais ça le chat! Ça c'est les 4 trèfles à 4 feuilles. Merci Rice pour ta donnée, pour ton sub, merci mon ref. Putain, et le flingue il va bien. Et le flingue va bien, il y a encore les balles. Parfait gros. C'est incroyable. Et on a le kit si elle revient malade l'autre. Il nous fallait de l'eau et par contre on aurait bien aimé de la bouffe. Moi, ouais. J'aurais bien aimé. Lorsque nous avons entendu les voix familières de nos amis devant la porte, nous avons couru leur ouvrir les jumeaux et la bouffe. Ont terminé la construction de leur camp. Malheureusement, ils ont découvert qu'ils avaient des cafards mutants en guise de voisins. Ces satanés insectes ont fait leur nid. Viens on leur donne. Mais eux, ils peuvent nous sauver. Eux, on les a aidés au début. Bien on sûr leur a, on leur a donné une hache. On leur a donné de l'insecticide. Et bien en plus, sûr qu'on leur donne. Je leur donne mec. Matin, midi, soir, time break. Je leur donne tout le temps. Les jumeaux, c'est trop. Putain. Les jumeaux, ils vont nous sauver. L'extrême violence de notre augmentaire a poussé les cafards à déménager. Ils n'ont même pas résisté. Peut-être étaient pacifistes. Qu'importe, le camp est désormais prêt. Et nos amis vont pouvoir profiter d'un habitat sans insectes. Ils vont nous inviter bientôt. Fais voir l'étoile ce qu'elle dit. Attendez que les jumeaux aient fini de construire le camp. Oh. Ça veut dire dès qu'ils ont fini, ils nous invitent. Ouais. Et s'ils nous invitent, c'est fini? Bah, je pense qu'on va gagner. Hein. Regarde. Attends, la faim, elle. Marie-Jeanne est affamée, faut lui donner à manger. Faut lui donner. Non. C'est aujourd'hui ou bien, frère? Ah, il a dit? Ok. Voilà, on prend pas de risque, je pense. Oh! Oh! Ça, c'est worst. Oh non, c'est de la merde. Une bouteille d'eau en échange d'un damier. Non, c'est nul. Une bouteille d'eau moi, j'aurais pris de la bouffe. La bouffe, j'aurais changé le damier contre la bouffe, tu vois. Oui. Ok, ouais. Mais là, laisse tomber, frère. J'aurais pas pu donner une soupe. On lui donne une soupe et il donne un jeu de cartes. Non, frère. Laisse tomber, frérot. Même j'ai pas la peine. On a besoin du jeu de cartes, là. Merde. Ah, mais en vrai, non, il y a nos potes. Hein? J'allais dire, on a besoin du jeu de cartes pour l'armée, mais il y a nos potes. Oui, il y a nos potes. En fait, l'armée. Maintenant, sa on s'en merde, fout de l'armée. On a la radio. Et gros, l'armée, ils sont trop galères avec leurs cartes. Non, frère, ils prennent trop de temps, frère. Ce marchand était très sympathique, mais aucune de marchandises ne nous intéressait. Marie-Jeanne devient vite irascible quand elle manque de sommeil. Ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Il y a écrit, ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Donc logiquement, elle va soigner, je pense. Elle est juste fatiguée. Le chat, est-ce qu'on est d'accord qu'elle va soigner? Elle est fatiguée, en vrai, elle a rien. Elle arrête pas de s'évanouir. Faut lui donner quelque chose à boire. Putain, elle consomme, elle. Hein. Putain, frérot, c'est un diesel ou quoi? Elle consomme. Par contre, j'espère que Dolores, ça revient. Moi, j'espère qu'elle revient. C'est la prochaine. Moi, je pense qu'elle va revenir dans 2-3 nuits, je pense. Bah j'espère. Jour 47 en mode hardcore, on est bien là, non? Moi j'ai peur hein, parce qu'à tout moment il y a écrit fin et on apprend que Dolores elle est morte.
Non, on lui a donné une hache, c'est pas possible quand même. Marie-Jeanne a besoin de nourriture. Là, on fait rien. Nos dernières douches remontent à bien longtemps. Faut dire que ça sent pas la rose dans cet abri. L'idée de nous laver, nous traverser, mais on n'a pas pris de savon. Est-ce qu'on pourrait trouver un substitut? Des balles. Allez, je me douche avec, je prends la coupe de drap canon et je m'enfume. Ouais, c'est quoi ça encore? Non, mais ils ont deux cuits dans le cerveau. Des balles. Non, mais va se doucher avec des balles de canon M16. Non. Par contre, je crois que si elle se lave pas, elle peut devenir malade. Elle sentira bon, elle va mettre du désinfectant. Cette mouche là. Eh gros, c'est illogique ce jeu. C'est plus une poule en tout cas. Est-ce qu'on lui donne le chat? Insecticide. Le chat me dit de lui donner l'insecticide. On lui donne l'insecticide? Mais franchement, j'ai envie de lui donner les balles pour voir ce que ça fait. Gros, elle va en gober une, elle va mourir. Ouais, j'avoue, à tout moment, elle va en gober une. Elle va se blesser, elle va se blesser. À tout moment, elle va en gober une. Je pense qu'il faut lui donner l'insecticide. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je pense qu'on lui donne l'insecticide. Eh les gars, priez pour Dolores qu'elle revienne demain. Tout le monde me dit oui, tout le monde me dit oui. J'ai trop peur qu'il y ait écrit fin. Oh, elle est de retour. Elle est revenue, putain. Elle est de retour. Ramène de la bouffe. Pourquoi elle ramène de l'eau? Elle a ramené une radio. Oui. Oh, attends, mais c'est une craque. Ouais, mais. Et la hache, elle a rien. Bon, maintenant, elle est épuisée. La bouffe, on est mort, frère. Par contre, j'avoue, on n'a pas de bouffe. La bouffe, on est mort. On va mourir de bouffe. On a niqué l'insecticide, c'est pas grave. Elle a ramené le masque à gaz aussi. Hein. Étrange, dans certaines caisses. Mec, elle a ramené McDo. Oui, frérot, des McNuggets aussi. Elle a ramené des poules, KFC aussi. Nous avons réussi à ouvrir une caisse et on a trouvé du fromage. Elle a ramené radio. Ah, masque à gaz, elle a ramené. Mais radio, masque à gaz et deux bouteilles d'eau. Radio portatif. Mais bon, elle a pas ramené de bouffe. Elle a ramené vraiment beaucoup de trucs. Ouais, en vrai, elle a géré. Non, je lui donne pas. Je non, donne mais personne. Là, la bouffe, faut qu'on économise à mort. La bouffe, faut une strat. Surtout que là, je crois, on peut envoyer personne. Ah, si, Marie-Jane. Marie-Jane, ouais. Parfait. Vas-y, parfait. Nous sommes enfermés dans un petit abri et nos provisions sont limitées. Si on veut survivre, il va falloir renoncer à certains principes. On sait qu'un groupe de personnes âgées se cache dans les ruines de la maison de retraite. Ils doivent avoir des ressources et après, nous en avons plus besoin qu'eux. Ils nous ont attaqué tout à l'heure. Ils vont mourir dans 2 ans. Je prends tout. Mec, on prend tout. On prend tout. On pense qu'à notre gueule, on prend tout. Par contre, on va se les mettre à dos. Ah, mais on s'en bat les couilles. Mais j'ai le flingue, j'en tue 2-3, ça va aller très vite. On s'en bat les couilles. Les gars, on fait ou pas? Après, je crois. Merci Donix pour ta donnée. Je crois le problème, c'est qu'ils peuvent devenir fous à cause de ça. Comme ils font un truc un peu inhumain. Les gars, on fait quoi? Est-ce qu'on fait un truc inhumain ou on reste dans le respect? Merci Alice pour ton sub. Tous ceux qui sont sur le live, merci du fond du cœur d'être et le là. Le truc, c'est que si on envoie Marie-Jane et qu'elle ramène pas de bouffe, on est mort. Merci à tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, qui regardent souvent les lives. Des fois il y en a, vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Mettre la cloche, le pouce bleu, ça fait plaisir. Vous êtes des cracks et on espère qu'on va finir ce jeu un jour. Viens, on reste dans le respect, le jeu va nous récompenser. C'est quoi? Moi je suis chaud de rester dans le respect. Ouais. Le jeu va nous récompenser. Je suis chaud de rester dans le respect. On n'est pas des mecs inhumains. Ça va nous récompenser. Et si elle vient pour essayer de me voler ma bouffe, je mets 2-3 ouais, balles entre les yeux. Là ça y est, faut pas déconner. On respecte les anciens. Moi pour moi respect. Respect des anciens. Respect des anciens. Ça nous vendra. Peut-être ça nous. Elles vont nous aider les mamies. Peut-être. Par contre si elles viennent nous attaquer, je vais râler. Je vais péter un câble. Okay. C'est rien passé. Normal. Ça sent bon. On reste dans le respect. Nous sommes pas des pillards. Et oui, on a besoin de ressources, mais pas aux dépens des autres. Voilà. Nous ferons rien à ces pauvres gens. Un homme qui vole de la soupe de tomate en boîte ne mérite pas de la manger. Espérons que tout le monde en fera de même. Merci. Check. Merci le jeu. Bonne action. Bien joué. Bien joué le chat. Vous pouvez vous respecter tout le monde. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Il faut donner à boire à Marie-Jeanne. Dolores a besoin de plus de temps pour se reposer. Elle a l'air à bout de force. Je vais la visiter si elle ne boit pas. C'est bon, Marie-Jeanne, elle est plus fatiguée. Marie-Jeanne est plus fatiguée. Elle a juste faim et soif. Ça veut dire qu'on peut l'envoyer en expédition, frère. Ok, bah go, on l'envoie. Dolores, faut qu'elle mange. C'est elle? Non, Dolores, c'est la. Elle? Ouais. Elle est juste épuisée, Marie-Jeanne. Elle est pas obligée de manger maintenant. Elle va y rester si elle ne boit pas. Hein. Ok, faut que Dolores et Marie-Jeanne. Elle ah non, elle a faim. Demain. Elle a faim. Dolores, elle a... faut qu'elle boit et qu'elle mange. Ah, mais non, elle a juste soif. Non, elle a soif, c'est bon. En bouffe, on n'est pas bon. Je lui mets quoi à elle? Les gars, on lui met quoi à Marie-Jeanne? Je pense soit le fusil, soit encore la hache. Hein. Moi, je partirais bien sur. Moi, je partirais bien sur le fusil. La hache. Fusil? Fusil ou hache, le chat? En vrai, non, regarde, t'as raison, la hache.
Parce que la hache, on s'en est déjà servi pour sauver nos potes. Donc elle va casser. Si ça se trouve, nos potes, ils vont revenir dans pas longtemps et ils voudront un nouveau truc avant de nous sauver une dernière fois. Et ça sera pas encore la hache. Ça sera un autre truc, ça sera le fusil. On l'a déjà donné, donc ouais, viens la balance. Vas-y. Prions. Allez les gars, on est ensemble. Merci les maths, merci mon ref. T'es un jour 50 ans. On tient en hardcore. Les gars, on est en mode de jeu hardcore là. Ça veut dire que c'est le plus dur mode. C'est le plus dur. En France, il y en a que un qui a réussi à le faire. Donc si on y arrive, on est inscrit dans la légende. Quoi? Non, rien. Tu m'as fait peur là. Ok. Dolores a besoin de plus de temps pour se reposer. Elle a l'air à bout de force. Elle va pas rester longtemps sans eau. N'a pas mangé depuis longtemps. Ok, bah les couilles. Un marchand à l'apparence louche porte c'est un sac. C'est pour avoir un chat, on s'en fout. C'est le chat? De toute façon, on peut même pas. On peut pas de toute façon. Gros dédicace Souleymane et Amalou. Merci, merci André. Jour 51. On est bon. Hein. C'est la bouffe en fait là qui nous met dans la merde. Là, si l'autre elle ramène deux pots de bouffe, je suis le plus heureux du monde. Nos grands-parents nous ont toujours dit de jamais rien acheter. Parce qu'après on attend les nouveaux survivants et c'est bon. Ouais. Dorez va pas tenir longtemps, on peut rien donner là, c'est bon. Il souffre un jeu de cartes contre l'insecticide. On l'a plus. Putain. Pourquoi on l'a plus? C'était notre porte de sortie. On l'a donné. Non. On a niqué les cafards. Pour se laver. Non, pour se laver. Pour se laver, sa mère. À cause de Tchétchouin, je me suis lavé avec l'insecticide, on n'est plus. Et elle est encore moche. Elle est encore moche et elle pue encore. Elle est plus là. Elle est plus là en plus. Oh, fais chier. On garde la valise ou le flingue? Non, le flingue. Trop important en fin de game, le flingue. Il y a quoi dans la valise exactement? Des fois, ça, on peut avoir de la chance et trouver un truc dans la valise. Sauf que la valise, c'est surtout pour partir en expédition pour ramener plus de trucs. D'accord. Useless. Mais le flingue, trop important en fin de game. Useless. T'es sûr faut rien donner à manger? Oh, ils disent. Bien joué. Le chat, bien joué. Putain, on aurait pu avoir les cartes. Il y a une souris. J'ai retenu une souris. La tête d'homme, j'ai une souris. Je suis pas fou. Oh, fait chier, il va nous falloir l'insecticide. Ah non, c'est bon. Elle a besoin de temps pour se reposer. Ok. Okay. S'en fout. La poubelle, se remplit de boîtes de soupe vide et ça commence à déborder. Si on ne fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes. On va l'écraser avec le manuel du scout. Frère, on les éclate. On les écrase avec le manuel du scout. Ça dégage les cafards. Voilà. Il y en a plus. Et le manuel il va bien. C'est Nous beau. On a réussi à échapper cette chose poilue. Ah, ils sont répugnantes. Ouais, c'est pas un cafard. C'était pas un cafard, c'était un singe. Dolores est reposée, n'a plus de force. Si elle mange pas ce soir, okay. Elle ne tiendra pas jusqu'à demain. Dolores faut juste qu'elle mange et elle va bien sinon. En vrai, on s'en sort pas, bien. Elle donne pas là. Elle survivra pas jusqu'à demain. Ah ouais, faut qu'elle mange. C'est qu'on est dans la merde. Là, ouais. Je te le dis, on commence à être dans la merde. Faut qu'elle ramène à manger. Oh, putain de merde, des pillards. Des pillards. Frère, elle est toute seule. Il faut pas leur montrer qu'elle est toute seule. Mets un cadenas. Cadenas. Allez hop, on vous quitte les pillards. Viens piller, bébé. Tu veux pas, j'ai mis un cadenas. Et dès qu'ils reviennent, j'en mets une balle dans la tente. Ils ont niqué le cadenas, les bâtards. Ils vont revenir, hein, ces chiens. Putain. On a réussi à défendre notre ami cette fois. Que se passera-t-il s'ils reviennent? Tu sais quoi, s'ils reviennent, je prends le fusil à pompe chargé aux dents, je les encule. Oh. Avec la hache en plus. Merci Denix. Merci Olivier pour ton sub. C'est tragique. En plus, là, je t'explique le problème. Là, le problème, c'est. Il y a les pillards de merde. Ils vont venir dans notre habitat, il n'y aura plus personne. On peut pas envoyer Dolores. Donc, ça veut dire qu'on a plus que deux boîtes de soupe. Après, si Dolores, on lui donne la hache, ça fait une Valkyrie. Hein. À tout moment, tourne. J'avoue, ça fait une Valkyrie. Il m'a dit ça, Vic Jack. Mais attends, j'avoue frère. Attends. Est-ce qu'on est obligé de perdre là? Non. Le jeu est pas con. En vrai, il y a nos potes. Attendez que les jumeaux aient fini, ça fait longtemps là. Gros, on les a aidés depuis 40 ans. Il nous reste que la meuf. Putain, Dolores, cette warrior. On donne rien, on peut pas donner. On n'envoie pas. Je la prépare, au cas où. Et comme ça, tu vas voir, jour d'après. Ça sera une croix sur le point d'interrogation, il y aura pas de toc toc. Quand quelqu'un frappe à la porte, on peut s'attendre à tout, mais la curiosité est un vilain défaut. Là, on a plus de bouffe. Toc toc, ça moi, peut être nos potes. Frapper.
Faut frérot, là, on a que ça à faire. Faut ouvrir. Ça se trouve, on gagnera plus vite. Ça se trouve, on gagnera. Mais le chat, on ouvre, on ouvre. Si on ouvre, si ça se trouve, c'est des gentils ou... Ils ont fini leur habitat et nous disent venez à vivre avec moi. Mec, c'est... Imagine, c'est ça. Oh, attends, ça veut dire quoi? On a perdu. C'est nos potes. C'est nos potes. Non, t'as menti. C'est nos potes. Mais aujourd'hui, une visite des jumeaux. Yeah En mode hardcore! Frérot, on est les deuxièmes français à avoir gagné en mode hardcore. Les deuxièmes français en mode. On a gagné! Let's go! Yes! On a gagné avec nos potes! Sa mère, on a gagné! En France, on est. Les gars, y'a qu'un mec qui a fini le jeu! En mode ultra hardcore! En vidéo! Pourtant, ça me paraissait un mort, hein. Ça me paraissait fini. Mec, mais là, on a les. Imagine, on aurait mis non! Catastrophe, ça aurait été une catastrophe. Mais gros, la game, elle s'est jouée sur 50-50. Mais ça s'est joué sur un toc-toc. Putain, on a gagné, j'en reviens pas. On a gagné, c'est réel. Let's go! On a fini le jeu, ma gueule! En mode hardcore! En mode, là c'est fini, on a fini le jeu. On a fini en mode hardcore. Le pire c'est qu'on sait qu'il y a une fin où on peut se faire sauver par l'armée. On sait qu'il y a une fin où on peut se faire sauver par nos potes, on a réussi. Mec par contre c'est monstrueux. Le chat c'était monstrueux. Par contre du coup on a sauvé que Dolores. Ouais. Mais bon, on a réussi à gagner déjà. Par contre c'est monstrueux en vrai, on a gagné frère. Non en vrai. En vrai Ted là il est en mode t'as vu là Ted il est en mode squelette. Moi pour moi tu mets du désinfectant ça il va avoir une nouvelle peau. Pour moi on a tué ça. Il va avoir une nouvelle peau. En 16 minutes, record du monde. Ouais, mais nous, on n'a pas fait en 16 minutes. Mais franchement, je suis content. Les gars, on vous a promis, pour tous ceux qui sont là, comme je sais qu'il y a pas mal de monde, merci à tous ceux qui sont là, qui s'abonnent, qui mettent la cloche, le pouce bleu. Qui y croyait vraiment sincèrement? Qui y croyait? Personne. Qui, ouais, dites sincèrement. Personne y croyait. Dites sincèrement, qui y croyait? Vraiment, merci Ethan. Qui y croyait pas, qui y croyait? Les gars, on vous l'a promis avec Mich. Il y aura une vidéo où on fait ce jeu IRL, dans la vraie vie. Mec, ça c'est incroyable. Pendant 4 jours, je veux le faire. On ira dans un bunker. Je veux le faire. Et on fera le même jeu IRL. La vidéo elle sortira dans quelques mois parce que ça coûte cher. Ouais. Du coup, faut ça faire. Ça coûte cher et ça prend du temps faut aussi. Faire l'organisation et tout. Mais, je vous jure, on fera une vidéo IRL où on fera ce jeu dans la vraie vie. Et là, je pense que c'est un banger. Je pense que c'est un putain de banger. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable en vrai. Oh, c'était incroyable. Pas moi, désolé. Pas moi, moi, pas moi. En vrai, non, j'y croyais sincèrement, pas. Sincèrement, non. Mais qu'il y a du monde qui croyait pas. Ouais, non, mais en vrai, c'était dur de pas y croire. Gros, on a eu que des mecs malades, on a réussi à avoir 3 ouais, médicis. Ouais. Oh là là, mais mec, la game de fou qu'on non, avait. C'est que la game, on vient de trop loin. On revient de trop loin. On vient de trop loin. Je vous jure, les gars, on vient de trop loin. La game, on revient de trop loin. On a réussi, malgré. Attends, remets le jeu là, il va se passer un truc. Merci beaucoup, Crouton TV. Merci pour ton GG, Ethan. Merci Norwan, merci Olivier. Mec, Théma, il y a tout notre résumé. Ah, il y a 55 jours, je trouve que c'est pas mal. Ouais, ça va. Hein. Au début, on est tous sauvés. Perché, herbicier. Merci Donix. Là, on est devenu malade à cause de l'air ouais, de merde. Cheval de Troie, Strike. Je crois que c'est les noms des événements qui arrivent ouais. À chaque fois. Un appel imprévu. Le nuage radioactif s'est dissipé. Dolores est devenue folle. C'est... Ah ouais, Dolores Réunion est devenue famille, folle. Famille, oh, quelqu'un de mauvais. Ouais. On avait une poule. On avait une frère. Poule dans l'habitacle, frérot. Oh là 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 là. Non, c'est incroyable. Merci Théo. Timmy est mort de ses blessures. Timmy est mort, frère. Trop tard. Ted est mort. Ted est mort. Trop tard, l'armée est passée. Ted est mort. Ted est mort. Non, frère. Un nouveau départ. Oh. Un jour après que Mary Jane elle meurt, on a un nouveau Putain. Départ. Merci Mogu. T'imagines, Mary Jane elle est morte. Notre morale il est Let's descendu. Go, vous avez survécu. Et là, on a survécu, on a été sauvés. Jour survécu 55, eau consommée 7,25. Est-ce que nos ratios sont bien le chat, honnêtement? Expédition menée 6 sur 7, objet ramené 19. Mec, décision défense, 3. Défense de notre abri 2, hein. 2, ouais. Partagez on votre On a sauvé ratio. Deux fois notre Est-ce abri. Est-ce qu'on a un bon ratio, les gars? Merci Olivier, merci du fond du cœur, merci Ethan. GG mon gars, merci Timmy, merci Lucilia. En 55 jours, on a mangé que 6 soupes. En vrai, moi je pense qu'on a un ratio de baiser, frère. Je pense qu'on a vraiment un ratio de baiser. Bah et, là, on pouvait pas survivre. Et j'ai une bonne nouvelle, mon Mich. Ouais. Il y a un 2. Il y a un 2 ? Ouais. Il y a le même créateur, il a fait ça, mais dans une soucoupe volante. Ouais. La vie de ta mère ? Ouais, j'ai regardé sur internet. C'est-à-dire, on pourra le faire.
Oh, c'est incroyable. Ouais. Oh, c'est incroyable. Si je dis pas de conneries, les gars, je crois qu'il y a un 2. C'est vrai ou pas? J'ai un pote à moi, il m'a dit, il y a un 2. Mais en mode, c'est dans l'espace. T'es sûr que c'est pas lui le 2? Non, merci Chiron, merci. Il y a 60 secondes et 60 secondes réatomisées. Ouais. Ça, c'est lequel lui? Je sais pas. Moi, c'est le 60 secondes réatomisé. Moi aussi, c'est réatomisé là. Ouais. Mais je crois qu'il y en a un, c'est dans l'espace, je dis pas de conneries. Ouais, merci. Ouais, t'inquiète même pas. Merci Thomas. Frérot, on va le faire dans la vraie vie, ça va être incroyable. On l'a fait, hein. On a réussi, les gars. Oui. 60 par sec. Oui. 60 secondes par sec, il s'appelle. Déjà, il me l'avait dit dans mon chat. Est-ce qu'on le fait? Ou on le fait une prochaine fois? En vrai, viens, on le fait une prochaine fois. Ouais, on attend un peu. On attend. Là, les gars, on l'a fini, on refait un live, on fait le numéro 2. 60 par sec. Regarde. Attends, je regarde sur Internet. Ah, c'est vrai. Attends, je vais mettre. Regarde l'image. Ah bah, je vais la mettre là. 60 par sec. Pas comme ça, pas comme ça. Voilà. Oh, ah ouais. Oh, c'est dans un vaisseau. Je suis chaud de le faire, hein. Oh, c'est incroyable. C'est le même créateur, en plus. Et il y aura ouais, des ça va être quêtes. Un peu le même délire. Ouais, ça va être des nouvelles quêtes. Il va se passer plein de trucs. Ouais. Il y a des expéditions dans d'autres planètes, je pense. Je suis chaud, on le fait la prochaine fois. Incroyable. Merci Lupine. Les gars, vous êtes chaud, on le refait la prochaine fois? Incroyable. On le fait pas maintenant parce que comme on a fini le jeu, là, je pense que c'est bien de finir sur ça. Ouais, non, là, faut qu'on finisse sur là, ça. Là, on finit sur ça, les c'est gars. C'est une belle fin. Et en plus, le live, vous avez tout ce qu'il fait, tout s'est bien passé. Et on jouera la prochaine fois. Moi, je relive vendredi les BG. Demain, il y aura. Je sais pas. Par contre, on va le faire dans longtemps. Ouais. Ah oui, les gars. Ah, avec Michou, faut qu'on vous annonce un truc, les BG. On sera pas là. Dire, ouais. On sera pas là 15 jours. Ouais. Du 1 au 15, on peut pas live. On est en tournage. Ouais. Pas pour nos chaînes YouTube, mais vous verrez. Ça sera un truc grave stylé. En tout cas, pendant 2 semaines, on sera pas là avec Michou. Moi, j'essaierai de vous faire une vidéo en stock, mais voilà. Mais ouais. En tout cas, on pourra pas live. Pas de on vidéo. Si, peut-être. Même les stories et tout, ça va être galère. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Story, live et tout. Peut-être on fera des trucs. Non, mais je pense que les stories, on les fera, mais cachées. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un concept où. En vrai, vous resterez à l'affût, il y a moyen que vous compreniez. Vous comprendrez, on si vous on expliquera. Fait, si ça se trouve, on fera des lives Insta ou ouais. Des stories Insta un peu chelou, mais vous comprendrez. En tout cas, pendant 14 et jours. Et si ça se trouve, on aura besoin de vous à certains moments. Ouais. Soyez à l'affût. Ça, il y a moyen. On peut pas trop vous dire, on peut pas leur dire. Non, on peut pas leur dire. Bon, bref, en tout cas, les gars, il pourra pas y avoir de live pendant 14 jours. On espère qu'on va pas trop vous manquer. Moi, je live vendredi, les gars, donc vendredi, je live samedi vidéo, donc voilà, comme ça au moins vous savez. Et voilà quoi, voilà. En tout cas, j'espère que le live vous a plu. Mettez un maximum de cœur dans le chat. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci Michou de m'avoir accompagné. On a fini le jeu en extrêmement dur. Mec, incroyable. On peut en être fier. Ouais, c'est ça mon ref. Merci beaucoup Thomas, merci tout le monde. Les gars, des bisous tout le monde, merci à tous ceux qui ont suivi le live. C'était cool de ouf. Sur ce, des gros bisous, passez tous une excellente journée, une excellente soirée. Bisous le chat, ciao. C'est pas Fort Boyard, c'est pas Pékin Express.